toujours là. Mais si on voit les dernières performances sur les sables, sur les gazons, il est difficile à recommander le numéro 2, qui est au moment là, le dernier outsider dans cette épreuve, 25 et 40 ans. D'accord, ouais, donc c'est vrai qu'il s'y a que bon, il y a 11 €, j'ai mis au papier, c'est assez surprenant de voir cette baisse de cote, mais bon, pourquoi pas. En fait, pour la gagne, ce n'est pas la première chance au papier. Alors, on a parlé de Golden April, qui est la favorite, on a parlé également de Svaravida, le numéro 8, qui est très joué, Redor Mutoris, le numéro 3, c'est un peu compliqué, mais qui a les moyens de se réhabiliter. Bon, salut à tous. Salut à tous. Branchez-vous sur les courses aussi parce que je ne peux pas vous diffuser l'image parce que je prends un avertissement par Facebook, mais c'est bien que vous ayez l'image de votre côté pour comprendre mes calculs. S'il vous plaît, on est parti pour 2 heures. Je vous réexplique mes méthodes. Il y a les méthodes par calcul, il y a les combinaisons, les numéros qui aiment bien se retrouver ensemble dans les arrivées, affichés par PMU, hein, et puis il faut vraiment regarder qui c'est, mais tu vois par exemple avec le 5 aime bien être avec le 4 et le 3, le 3 aime bien avec 5, 3, 8, le 4 aime bien avec As 6, 2, 4. Voilà, on va essayer de faire des combinaisons, puis on va trouver la formule à jouer. On va prendre par rapport aux favoris, tout ça, on va faire nos calculs, on va sortir une combinaison. Et aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les combinaisons 6, 7, 8, 2, 6, 7, 8, 3, ou 6, 8, 3, 2, 6, 9, 3, 2, 6, 7, 3, 2... Ou alors quoi, 6, 7, As, 2, on va regarder tout ça aujourd'hui, les combinaisons possibles. On va essayer, ça va être compliqué aujourd'hui aussi. C'est les premiers jours du mois, hein. Les deux premiers jours les plus compliqués, c'était hier, aujourd'hui. Cette semaine, ça va peut-être s'alléger en difficulté, donc on verra. En fin de mois, c'est bien plus prenable, hein. Les pronostics sont bien meilleurs à prendre en fin de mois, hein. À fin de mois, on n'a pas d'argent. Alors bref, je vais vous montrer comment je fais mes calculs, tout ça. On va regarder tout ça. Ça ne va pas changer d'hier, mais bon, on est reparti. Alors, on va se brancher. Hop, R3, C4, qu'est-ce qui tombe? R4, C3, le 7 et le 8. Alors R4 C3, la course qui vient de courir à Pontchâteau, R4 C3, il y avait une cote à 2,2 du favori. On a le 11 qui fait 1 et 1, 2,2. On a 7 moins 9 égale 2, donc on a 2,2. Par contre, on avait quoi aussi? On peut faire des calculs par rapport à la cotation du plus bas, on peut faire par rapport au nombre de partants. Il y avait 12 partants, donc il y a 10 et 11, 1 et 1 du 11, 10 plus 11, ça fait 12 quoi, 1 et 1 du 11, ça fait 12, 10 plus 11, il y a quoi, il y a 11 et 10, ça fait 21, 2 et 1, 3, il y avait 12 partants, 9 et 3, 12, on a déjà deux fois le nombre de partants, 11 et 10, ça fait 21, 2 et 1, 3, plus 9, ça fait 12, on a... On a quoi aussi? Il y a des calculs plus compliqués que d'autres, mais on doit s'y retrouver normalement. Il y avait 16 partants R4 C2. R4 C2, il y avait 16 partants, il y avait la 4 du plus petit à 2,8. Comment on faisait 2,8? On faisait 13, 3 moins 1, ça faisait 2, fois 4, 8. On a le 2, on a le 8, 2,8. Il y avait combien? Il y avait 16 partants R4 C2. On retrouve... Le 13, 3 et 1, 4, divisé par 4, ça fait hélas. Plus 6, ça fait 16. On a 3 moins 1, ça fait 2 du 13. Plus 14, ça fait 16. Il y avait 16 partants. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est des calculs, t'en fais ce que tu veux, mais j'aime bien faire des calculs, retrouver des combinaisons. Et après, je m'apprête, je regarde
quand même l'allure des chevaux, tout ça, pour conclure quelque chose. Il faut y aller par étapes. On ne fera pas celle-là, là. R3, C4, on ne va pas la faire. Faut, si tu veux chercher quoi mettre, il faut le chercher par étapes. Déjà, tu regardes la cotation, tu regardes combien il y a de partants. Il faut que tu égales 3 fois le nombre de partants. Il faut que tu égales la cotation du plus petit. Il faut que tu égales l'heure de départ. Tu vois, il y avait 12h35, R4, C3. On a le 10 plus 11, ça fait 12. Ou alors on fait combien? 9 et 7, 16, 9 et 7, 16, 6 moins 1, ça fait 5, donc on a 5. 10 et 11, ça fait 21, 2 et 1, 3. On a 21 aussi, on a le 10, 1 et 1, 2, voilà, on a 12h35. C'est un peu compliqué ce matin, mais je te dis, c'est pas les jours les plus faciles. Hein. Il y a des calculs, on fait les calculs comme ça à la fin du mois, tout ça, tu vas te dire, bah ouais, ça rentre mieux à la fin du mois, puis c'est, on comprend mieux à la fin du mois, mais il faut de tout, quoi. Il faut qu'on fasse aussi au début du mois, il faut aussi qu'on se casse la tête, comme ça on sera plus fort à la fin du mois, puis au fur et à mesure des mois, on va mieux comprendre encore. Donc il faut y aller. Là, il y avait combien R3, C4, il y avait 10 partants. R3, C4, il y avait 10 partants, ça partait à quelle heure? À 12h50, hein, 12h51, ça partait, 12h50, 12h51, ça partait, il y avait 10 partants. Le 4 était favori, tu vois, tu rajoutes une dizaine, tu mets 14. Le 4 était favori, tu mets 14. Ah, c'était le 4 qui était favori, ouais. R3, C4, le 4 était favori, tu rajoutes une dizaine. Il faut retrouver 14 aussi, il faut retrouver plus 1, 15, et moins 1, 13. Bon, il y avait que 10 partants, mais tu vois ce que je veux dire. Si c'est 7, 13, 8 et 7, 15, voilà, tu dois te retrouver dans des calculs. Et après, quand tu sais que des numéros aiment bien se plaire entre eux, tu peux regarder l'allure qu'ils ont, tout ça, puis tu peux les emmancher ensemble. Tu fais une combinaison. Ah ouais, c'est pas du tout cuit, les gars. Ça se fait pas comme ça. Merci René, merci Alpha, merci les amis. Voilà, on a le travail. On a on a une recherche. On a une recherche par rapport à la cotation du plus petit, et puis à qui le numéro du plus petit aussi, à faire une recherche. Tu rajoutes une dizaine au numéro du plus petit, du favori, et tu regardes la cotation du favori. Il faut retrouver, il y avait 1,9 du favori là chez PMU, le favori c'était le 4, donc il faut retrouver 14, 13, 15 et 1,9 dans nos calculs. On va regarder, on va voir, on va les avoir, et après c'est comme je regarde. J'aime bien me dire. Après, c'est pour trouver des combinaisons, quoi, je veux dire. Tu vois, on a la cote du favori à 4, à 1,9. Là, il est à 2,3, le 4, à l'écran. Donc, fallait qu'on fasse 14, fallait qu'on fasse 13, et fallait qu'on fasse 15, hein, tu vois. Il y a comment? On a 8 et 5, 13 déjà. Donc normalement derrière on doit avoir le 10 ou le... Attends, 2 x 8, 16, 2 x 5, 10. On a 13, 14, 2 x 5, 10 plus 4, ça fait 14. On a 8 et 5, 13. Il fallait qu'on trouve 15 aussi. On a 4 et 2, 8, 8 divisé par 8, ça fait 1, plus le 5, ça fait 15. Tu vois, on se retrouve avec le 4 favori, on va en rajouter une dizaine. On fait moins 1 et plus 1, on fait... Le 4 était favori, on fait 14, 13 et 15. Il faut qu'on retrouve dans l'arrivée qui doit venir, qui doit arriver. Après, tu as plusieurs façons de te retrouver 14, 13, 15. Là, on a le 9 en favori à 2,2. Donc, on doit trouver 19, 18 et 20. Non, 19, 18 et ça ferait quoi, ça? 19, 18. Ouais, c'est ça, 19, 18 et 20. Alors, on doit retrouver. On a une cote à 2,2. Donc on va faire nos calculs, on va se retrouver avec des numéros, et on essaie d'assembler pour retrouver 3 fois le nombre de partants. On va rassembler nos numéros pour retrouver 3 fois le nombre de partants. Là, il y a 11 partants, R4, C4, et on doit retrouver aussi l'heure de départ. Une fois que tu as trouvé tes numéros, il faut après faire une deuxième recherche pour retrouver l'heure de départ, le nombre de partants. Voilà, tu dois tourner en rond en fait. Tu pars de la cotation du numéro du plus faible, tu pars du nombre de partants, tu pars de l'heure,
et tu dois retrouver l'heure de départ. Voilà, tu dois faire un rond comme ça et ça doit buter nulle part. Tu vois ce que je veux dire dans tes recherches? Là, l'heure de départ de la course avant R3-C4, c'était 12h50. Qu'est-ce qu'on a qu'on retrouve? On a 5 moins 4 égale 1, plus le 2, ça fait 12h. On a le 5, 12h50. Voilà, bon, allez, on va faire nos calculs. Un pont château. On va regarder si PMU, ils sont pas mauvais ce matin dans leur pronostic. Salut René. Le 9 va souvent avec le 14. Ouais, j'aime bien le 9-6. Hein. Le 9-6, moi, René, c'est mes simples placés. Ça rentre souvent les simples placés dans le mois, dans les mois depuis quelques années déjà. C'est mes meilleurs simples placés de valeur. Hein. C'est le 9 et le 6. Hein. Il faut qu'ils soient bien accompagnés. Là, on a R4-C4. Alors, on a l'arrivée de la course d'avant. 4-8-5-2-9. On doit retrouver aussi 4, 8, 5, 2, 9 de la course d'avant par des calculs. Tu vois, le 9, on peut se le faire en 9 parce que c'est le favori, là. On va regarder tout ça, on va regarder qui c'est, on va regarder l'allure qu'il a, tout ça. Si ça craint à Pontchâteau, s'il y a des gamelles et tout, comme c'est de l'attelé, tout ça, on va regarder tout ça. Alors, après, on va regarder la cote du plus faible à 2,3, le 9. Deux virgule trois contre un. La course d'avant, on a le 2, on a le 5. 5 moins 2 égale 3, tu vois. On a le 2 et le 3 là. Avec 5-2. On va regarder 5-2 qui c'est tout ça. Ils paraissent forts, mais bon, on va regarder. L'heure de départ. Alors, l'heure de départ, 13h05. Le nombre de partants, on a 11 partants là. On doit faire 11 partants 3 fois dans l'arrivée qui doit arriver là. Si c'est 5, 11, 9 et 2, 11, tu vois ce que je veux dire? Les anciennes places du favori, ça c'est intéressant aussi de faire les calculs avec les anciennes places du favori. On va regarder les anciennes places du favori, tu vois. Bah, il n'y en a pas 50 là. Les dernières perfs, je veux dire. Il y a que le 9, il a fait l'as alors. Une place, première. Alors. Donc on a ça, on a nos calculs à faire, voilà, on va faire nos calculs. On a la cote du favori à 2,5. Bon, je vais prendre cette ardoise-là pour vous expliquer. Alors soit tu te mets la rate course bouillon à regarder la valeur des cotations, ou soit tu vas à ton intuition. Il y a 11 partants. La cote du favori, c'est 2,5. Il y a 11 partants. On est quoi? On est 13h05 de départ. Tu vois, normalement, juste avec l'heure et la cotation du plus faible, tu dois trouver quelque chose déjà. On a 13h05 de départ, on part à 13h05. On a 2,5. Ça va changer aujourd'hui. Hein. Ça va être chiant parce que la cotation du plus faible va changer tout le temps. Là. Donc le 5, c'est intéressant ou pas? Sinon, comment on fait 5? On fait 8 ou 8 moins 3, on fait quoi? On fait quoi là ici, là, 8, 3, 5 ou As-7-4? As-7-4 paraît un peu fort parce que. As-7-4 paraît un peu fort. On fait peut-être 8, 3, 5 là, ça serait peut-être intéressant. Le 8 et le 3, le 3 est à 13 euros, c'est peut-être quelque chose. On va regarder l'allure qu'ils ont. On va mettre ça de côté. 8 et 3, 11, ça ferait déjà une fois le nombre de partants. 8, 3, 5, 9, ça ferait quoi? 8, 3, 5, 9. Ou 8, 3, 5, plus 1, moins 1 quelque part. 8, 3, 5, 6, par exemple. 8 et 6, 14, moins 3, ça fait 11. 6 et 5, 11. 8 et 3, 11. Tu vois, 8, 3, 5, 6, on a déjà une intuition de retrouver 3 fois le nombre de partants, là. On est à 13h05. On a le 3, le 5. On a 6 moins 5 égale l'as. Le 3, le 5. À 3, 5, 6. 3, 5, 6 paraît intéressant. On a la cote du favori à 2,7. Ça change encore. Comment on fait 2,7? On fait 6 moins 5 égale 1. 8 moins 1 égale 7.
Et on a 8 moins 6 égale 2, 2,7. 8, 5, 6. Alors 8, 5, 6, 9, 8, 5, 6, c'est quoi? 9, 8, 5, 6, ça plaît bien, ça me parle. C'est des combinaisons qui arrivent souvent, ça. En 2 sur 4, mais bon, comme c'est les plus petites cotes, ça ne payera pas. Donc il faut trouver quelque chose, si on va avoir un ticket qui va rapporter ou pas. Là, on va regarder. L'arrivée qui vient de se faire, c'est 9. Alors ça ferait quoi, ça? Avec le 9, pour retrouver la course d'avant, on regarde avec le calcul de la course d'avant, là, si on arrive à faire quelque chose. 9, 5, 6, donc 6 et 5, 11, 1 et 1, 2, on a 5, on a 9, 9, 5, 6, et on fait 9, 5, 6, 8, alors 9, 5, 6, 9, 5, 6, plus 1, moins 1, quelque part, 9, 5, 6, 7, 9, 5, 6, 10, 9, 5, 6, 4, c'est quoi? On va regarder l'allure des chevaux. On a le 4, là, on va regarder. La course d'avant, on avait le 4. Après, il faut qu'on égale l'heure de départ, hein, 13h05. Hein. Si on a 9, 5, 6, si on perd 13h05, ça ferait quoi, ça? 9 et 4, 13. Avec le 5, c'est qui, le 4, là? Jacovia Madric, ah ouais, c'est quelque chose, hein, les Madric. Hein. C'est des 3 ans. Les Jacovia Madric, c'est quelque chose. Hein. J'aimerais bien voir l'allure qu'il a. Le 4. 9, 5, 6, 4, c'est quoi sur R4, C4, il peut tomber le 4. Hein. S'il tombe le plus petit, 9, 5, 6, il peut tomber le 4. Hein. Ou 9, 6, 8, il peut tomber le 4. Hein. S'il tombe le plus petit, 9, 6, 8, il peut tomber le 4. Hein. Attends, 9, 6, 8. 6 et 4, 10. Attends, on part à quelle heure là? 13h05. 6 et 4, 10 et 3. Ça ferait quoi ça? 9 et 6, 15. 9 et 6, 15. Moins 2. Hein. 9 et 6, 15. Moins 8, 6. 9 et 6, 15. Le 11 est à 13 euros. Ah, c'est quoi celui-là là? Bon, les gars, je me mets en route. Hein. Excusez-moi si je suis pas là la première, mais. On va regarder les noms bizarres des chevaux. Jour joyeux du 6, et marrant. Jacovia Magric, Juplo Perrine. Le 3 et le 4, c'est marrant, mais. Faut s'attendre à faire des fautes, là, ça va être chiant, là. C'est quoi le. C'était quoi le rythme de la journée, je te parlais, là? Ah, j'aimerais bien voir l'allure des chevaux, moi. Et 11 partant, 6 et 5, 11. Et 6 et 5, ça fait 9 et 1, 10. 6 et 5, 9 et 6, 15, 5 et 1, 6, plus 5, ça fait 11 encore. 9 et 6, 15, 5 et 1, 6, plus 5, ça fait 11. 6 et 5, 11, déjà on a deux fois le nombre de partants. 5, 6, 9, mais bon, on a une cote de 3,1 du favori. 2,8 maintenant, ça va être chiant le favori. On a 6-3, 6-3, 8-9, ou 6-3, 8-9, ou 6-5, 8-9, 6-5, 8-3, alors fallait mettre 6-5, 8-3. Bon, c'est parti, c'est dommage. J'étais là-dessus au départ, hein, bon. Des fois, quand tu te crosses trop la tête, tu vas faire de la merde. Ah, je vais laisser pour regarder si j'avais quelque chose. Faut prendre le rythme hein, de la journée, on va y arriver, on va se mettre en route. Hein. On va se mettre en route, les gars, on va se mettre en route. Salut, toi, l'étage, salut, René. 3-5 pour toi, 3-5-8, René, ouais. C'est ma première intuition, hein. Intuition, 3-5-8, 3-5-8-6. Il n'y a pas justement la course du PMU, le quintet, hein. Tu vois, je suis en train de faire les courses en direct, hein. Et Kidia qui se passe en direct, les gars. Derrière. Je sais pas si on entend derrière. Le 3 et 4, ils sont disqualifiés. Le numéro 10, Jaya Sinclair,
Le 11 est disqualifié, 3, 4 sont disqualifiés. C'est des courses qui se passent maintenant, les gars, à Pontchâteau. Hein. Ça part tout de suite. Hein. Le numéro 2, une course toujours très rythmée, hein, sans concession, avec le Jean Joyeux qui est la bonne course, hein, puisqu'il est bien à l'abri derrière l'animateur Jablon qui passe en tête au kilomètre. Jonas Duvillier est en train de revenir un petit peu sur les deux premiers, talonné par Jaya Sinclair, le numéro 10 et un peu plus loin, Jacobo Dibou. Le numéro 5, milieu de la ligne en face, avec un Jablon qui pousse toujours un tout petit peu sur sa droite, mais qui offre toujours un bon dos. Un Jour Joyeux qui se contente pour l'instant de le suivre. Jonas Duvillier n'est pas encore battu alors qu'à l'extérieur se rapproche vivement désormais Jacobo Nebo, le numéro 5 qui tourne autour de Jaïr Sinclair. Le 7 Jalil Polero essaye également de regagner du terrain. Le peloton se reforme pour aborder dans quelques instants le tournant final. Nous y sommes avec Jablon, toujours en commande de l'épreuve, devant Jour Joyeux, le numéro 6, Jacobo Nebo, qui est venu se placer tout près d'eux et qui poursuit son effort. Jonas Duvivier, pour l'instant prisonnier d'une troisième ligne côté corde, alors que se rapproche à l'extérieur Jaïr Sinclair. Rien n'est fait pour les toutes premières places avec Jablon, désormais sous la menace de Jacobo Nebo. Attention à Jour Joyeux qui n'a rien fait du parcours, à Jaïr Sinclair qui s'est bien rapproché. Jonas Duvivier est lancé maintenant par son partenaire avec Jacobo Nebo qui a l'avantage maintenant. Reprise toujours pour la victoire avec Jablon. Jour Joyeux est désormais lancé maintenant par Eric Raffin, de même que tout à l'extérieur Clément Duval d'Estaing qui demande à Jonas Duvillier d'accélérer. Jour Joyeux qui va tenter d'aller chercher la victoire que lui conteste Jonas Duvillier qui fait la faute désormais. Et c'est Jour Joyeux qui va s'imposer, qui va offrir une première victoire à la Kazakh de Thierry Rack. Si c'est 5-11, tu vois, si c'est 5-11. Si 5-8, les gars, il y avait le trio 6-5-8. Il n'y a pas de cotation, ça ne paye rien. Il y avait 11 partants, 6 et 5, 11 les gars. Il y a 6 et 5, 6.5, 6 et 5, 11, 8 et 2, 10. Donc il doit y avoir derrière. Il y a quoi là sous le 2, c'est quoi derrière? Le 2? Se contenter de la cinquième place. 6, 5, 8, 2, 10, 5, 8, 2, 10, 6 et 5, 6 moins 5 égale 1, 8 et 2, 10, moins 1, plus 1, ça fait 11. 6 et 5, 11, 5 moins 2 égale 3, plus 8, 11, on retrouve 3 fois 11, même 4 fois avec le 10, là, avec les 5 premiers. 6, 5, 8. Alors, on retrouve hein, déjà encore l'arrivée qui vient de se courir. Hein. C'est bien pour te faire tes calculs. Hein. Je dis pas qu'il faut suivre à la lettre ce qui vient de tomber, mais pour faire tes calculs, c'est bien. Parce que si tu as une course de 8 partants, puis derrière tu as une course à 16 partants, tu vas pas retrouver, mais bon. Et on continue. On a retrouvé l'ancienne place, on a retrouvé la valeur, on a retrouvé tout ça. Avec l'arrivée là, 6-5-8. J'avais bien qu'il allait y avoir un 2, un truc comme ça, le 2-3-4, les grosses cotes là qui allaient peut-être venir, mais 8-2-10, j'avais 8-2-10 ou je sais plus quoi par une période là. Alors on va noter 6-5-8-2-10. Attendez l'arrivée finale, hein, les gars, parce que ça va peut-être changer. Hein, s'il y a... C'est de l'athlée, donc il va y avoir les commissaires qui vont vérifier la course. Hein. Attendez, les gars. Là, on a 12 partants. On a la valeur du favori, le 4 à 3,3. Ça va changer, mais il est à 3,3. Là. Lors de départ, on partait à quelle heure, R4-C4? On partait à quelle heure, les gars, R4-C4? Je vais vous montrer, hein, 13h05, tu vois. 8 et 5, 13, avec le 5. 13h05. On a quoi 6 et 5, 11, plus 2, 13, sinon. Et le 5, 13h05, on partait. On retrouve 3 fois le nombre de partants, on retrouve l'heure de départ 2 fois. Tu vois ce que je veux dire? Après, je te dis, tu as plusieurs façons de le retrouver. Hein. Tu as plusieurs façons de faire 8, plusieurs façons de faire 5, tout ça. Soit tu prends sec ou soit tu vas chercher. C'est bien de regarder les chevaux à ce moment-là. Et de trouver un ou deux chevaux que tu trouves en forme et tu commences à trouver ta combinaison après. Lors de départ, là, à 13h23, la R3C5. Le nombre de partants, on a 12 partants 3 fois à faire.
cinquième et dernière là-bas nous concernant. C'est un handicap de catégorie 4. Il est 4 ans et au-dessus au départ. Le 8 est non partant. Peut-être une nouvelle victoire de Thomas Foscardino et Marco Plante pour l'entraînement. On a tout noté. On va regarder les anciennes places aussi. J'aime bien regarder les anciennes places. Ça, c'est personnage. Il y a des trucs aussi personnels. Je vous en fais part, mais. C'est pas facile à expliquer, donc tu vois là j'ai le 10 en favori sur mon PC, puis là j'ai le 4. Alors, on va regarder les anciennes places du 4. Ça va être séchant aussi entre le PC et puis l'écran, le live, c'est pas pareil, c'est chiant. Les anciennes places du 4, c'est quoi? Ah non, je vais regarder sur l'application PMU, justement je tranche sur l'application PMU à ce moment là Je regarde le favori sur l'application PMU, le 4 qui me propose, et je vais partir mes calculs avec. Moi, je ne vais pas rester trop longtemps avec cette allure-là à vous expliquer, je vais vite fatiguer. Le favori R3C5 pour PMU, c'est qui? C'est le 4 aussi. Alors 2-3 ces anciennes places, c'est 2-3. Ça a changé la cotation, hein. 3,2. Les anciennes places du 4 favoris 2-3. Hein. On va regarder 2-3, qui c'est? On va regarder sur l'écran, c'est quoi? C'est du plat, ça? C'est la discipline du plat, c'est 1900 mètres, 13h23. Ah, 2-3, ça, 13h23, non? Ça ferait quoi sinon, ça? Avec le 10, ça ferait quoi? Comment on fait 2-3 avec le 10? On fait 10 et 2, donc on a le 3. 10 et 2, ça fait 12, 2 et 1, 3. 2-3, donc après, si on a le 12, on fait 10, 2, 3. On fait 10, 2, 3, 4, ça marcherait ça? 10, 2, 3, 4, on a l'arrivée qui vient de se faire là. On a le 10, peut-être le 10 à reprendre aussi là? Attends, comment je peux faire mes calculs là? L'heure de départ, alors 13h23. Et la cotation du plus faible à 3,4. Avec 3,4, on retrouve 12, on retrouve 13. La cote du favori, on a 4, le 4. Donc avec le 4, ça fait 14, ça fait 13, ça fait 15. Donc le 15, on peut se le prendre en 4, on peut se le prendre en 6. Le 13, on peut se le prendre en 2, en 4. Le 3, là j'ai 3, 2, 4, 6 devant moi là. 3, 2, 4, 6, ou alors quoi? 3, 2, 5, 6, 4. 3, 2, 5, 6, 4, là j'ai devant moi là. On est à 13h23 de départ. Le 3-2, c'est peut-être intéressant, 13h23 de départ. Le 2, il est cher. Hein. Il est à 29€ chez moi. Sur l'écran, il est à 10€ le 2. Et les anciennes places du favori, le 4, c'est quoi? 2 As 3. De 3 As, les anciennes places du 4. Le 10 est favori là. C'est lequel là? 3€ maintenant. Le 4 il a 3€ là. J'aimerais bien voir les chevaux s'échauffer là. Chez moi sur le PC, le 6 et le 5 sont à 31€. Et sur l'écran, il est à 11,850€. C'est bizarre. Alors, il y a quoi des noms bizarres des chevaux là? Zambala, c'est quelque chose, hein, le 10. Candice Wheat, Diamond Gold, Ding Dong, Footloose, Bestep. C'est quoi celui-là? C'est quoi? C'est des 4 ans, ça? 6 ans, 5 ans? Le 10, c'est un 7 ans, la vache? Il y a 12 partants. Il y a 12 partants, t'as vu le 12 hein?
Il paye pas de mine, le 12, c'est qui ça? Je vais regarder l'origine du 12. Le père et la mère du 12, c'est qui ça? Neatico, Moro, Komado? Il est avec qui celui-là? Je sais pas. Giralda, le père du 11. La mère du 11, Giralda. Ah, les noms qu'ils ont maintenant, là, depuis le confinement, et les noms qu'ils ont bizarres. L'entourage et l'origine, là, on comprend rien du tout, on dirait du chinois, là. Avant, on arrivait à voir quelque chose, mais... Le pronostic de PMU nous propose 4, 5, 2, 7, 3, 10. Comment on va faire, là? Alors, l'allure des chevaux, là? À 3,1 le favori, 3,1. On a 13h23 de départ, on a le favori à 3,1. Ça fait chier, ça. Si on a le 4, le favori, ça fait 4,3. On a l'as, on a le 3. On a 13h déjà. On a le 3, la valeur du favori. On a 4 x 3, 12. On a le nombre de partants, 12. 4 x 3, 12. Déjà, on aurait le 12 une fois, le 4 x 3, 12. Sinon, comment on fait avec le 4 en favori? Tu vois, faudrait, avec le 4 en favori, il faudrait qu'on fasse 14, 13 et 15 aussi. Alors, si on a 4 x 3, 12, ça fait 4,3 égale 1, plus 5, ça fait 4, 3, 5. Il n'y aurait peut-être pas de surprise, hein. 4, 3, 5. 5 x 3, 15, donc on a 15, on a 14. Attends, on a 14, hein. 5 et 4, 9. Attends, c'est quoi? 4 x 3, 12. 4, 3, 5, 6. R3, c'est 5. C'est quoi? C'est 3, 5 en simple placé? C'est plus rassurant. On va changer de formule là. On va pas faire de combinaison. On va faire des simples placés là. Si on a 3, 5 en simple placé, on fait quoi? 3, 5, 2. On fait quoi? 3, 5, 4. On fait quoi? 3, 5, 2, 6. Attends. 3, 5, 2, 6. 5 et 3, 8 et 6, 14, moins 2, 12. Déjà, on a 12 une fois le nombre de partants. 5 et 3, 8, 6, moins 2, 4, 8 et 4, 12. On a 2 fois le nombre de partants. 6, 3, 5, 2. R3, c'est 5. Hein, c'est 3, 5. Hein, on s'en peut passer. Moi, c'est mon rassurant. Hein. Après, il faut qu'on fasse combien? 13, 14 et 15. Quand il y a Schulchi et Tirachi, il court la première fois cette année, c'est une rentrée pour lui. Comment on ferait 15 là? On ferait 3 moins 2 égale 1, donc plus 5, ça fait 15. On a quoi? On a 8 et 6, 14. Comment on fait 8 et 6 là? 5 et 3, 8 plus 6, 14. Donc on a 14, 15. Et le 13, comment on ferait le 13? 5 et 2, 7. Plus 6, 13. 6, 3, 5, 2. Alors. 6, 3, 5, 2. Pourquoi ça serait pas 6, 3, 5, 2 là? C'est quoi là? On est quoi? On est à 1900 mètres. Ah, le 8 est non partant, les gars. Avec le 4, on a souvent le 5 ou le 7. Alors c'est quoi le 7 là? Candice 8. On a les anciennes places du favori, c'est quoi? 2, 3 as? Est-ce qu'on récupère 2-3 ça dedans là? Ça fait chier le 10, la petite cote, mais bon. Ou alors si c'est 3, on est en forme de 9. On a 9 et 3, 12. 9, 3, 6. On a 9, 3, 6, 4 alors sinon. Ou 9, 3, 6, 9, 3, 6, 5. 9, 3, 6, 5, 4. On a 6, 3, 5, 2 ou 9, 3, 6, 5, 4. C'est quoi celui-là? Avec 9, 3, 6, 5, 4, avec 9 et 4, 13, l'heure de départ, 9 et 4, 13. Avec le 6, 6 moins 4, on a 2, on a 13. Et après, comment on récupère 3, 13h23? Avec le 2, alors. 6 divisé par 2 égale 3.
On a 6.4 égale 2. On a 9 et 4, 13. 9, 4, 6, 2 alors. 9, 4, 6, 2, ça serait ressemblant à l'arrivée qui vient de s'arriver là. Quatre et deux, 8. On a 6. On a 9 et 4, 13, 3 et 1, 4. 9 et 4, 13. 6, 9, 10. 6 et 4, 10, ouais. 9, 2, 4, 6 alors. 9, 2, 4, 6. J'ai envie de mettre du 9, 6 aujourd'hui. Je crois que c'est ma journée. Tout à l'heure, je me disais ça, ça allait à la journée du 9, 6. En simple placé. Ça allait payer aujourd'hui, mais il faut voir avec qui ils sont entourés. 9, 6, 9, 6, je sais pas. C'est bizarre celui-là. On est où là? On est à Menheim. R3, C5 à Menheim. Qu'est-ce qui tombe à Menheim depuis tout à l'heure? R3, C4. Il y a du 9, 8, 5, 2, 4. Il y a quoi? 8, As, 4, 3, 2. Il y a quoi? 6, 4, 2, 8. As, 3, 2, 7, 4. Il y a beaucoup de 4 quand même à Menheim. Après, il faut faire 13, 14, 15. 9 et 4, 13. 9 et 6, 15. Et 14, comment on fait 14? Si c'est de 8, 9.8 plus 4, 14. Alors. 9, 2, 4, 6. 9, 2, 4, 6. La cote du favori. Ouais, il n'y a pas de 3, 5 à 3. 3 vers... Il n'y a pas d'R3, C5, 3, 5. 9, 2, 4, 6. Bon, Nero de Avalo, Diamond Gold, et The Dust et Footloose. À 2,3 euros le favori. Ah, il y a 50 trucs à garder, d'ailleurs. Tu penses quoi du 15 au quintet? Au quintet, tu... Attends, j'ai deux fois le chat, là. Il est marqué deux fois le chat, là. Pourquoi ça? Ça marche pas, ça. Hein. Attends, je me reconnecte parce que j'étais sur les calculs. Attends, je reprends le live. Alors, René, t'as 3-5-8 là? Non, il n'y a pas de 8 là. Non, c'est quoi? C'était la course d'avant ça. Pour le quintet, le 15, à Auteuil, il y a 18 partants à Auteuil. Pff, si je peux l'éviter cette course-là, bon, franchement, il y a 4700 mètres à 15h15. C'est pour ça que tu me demandes du 15. Le 15, c'est quoi ça? 15h15. À Doudingue, ouais, Doudingue, c'est ça, ouais. Bah, t'as raison, ça doit être ça. Non, mais je déconne, mais Doudingue, je sais pas. C'est quoi? Tu voulais me passer un message? Tu voulais quoi, là? Tu voulais me passer un message, Stéphane? Tu voulais quoi? Je comprends pas. Tu me mets le 15 et tu me mets rien. Tu me dis, tu penses quoi du 15? Mais c'est quelle course? C'est pour le quintet? À 15h15? Ah, le 15, c'est Doudingue. Doudingue, j'aime bien le prénom, mais c'est 4700 mètres du steep. Ouais, pourquoi pas, hein. Doudingue, c'est R1, C3, moi j'aime bien prendre une cote à 13 euros ou le 13, hein. R1, C3. Là on a le 13 en favori, tu vois, Gaulle, avec ce nom-là, normalement, le favori, pour le quintet, il devrait faire quelque chose. Hein. Il est peut-être un peu cher, mais bon. Sinon, une cote à 13 euros, il y a l'As aussi, l'As. Ou sinon le 13, l'As, ou sinon il y a quoi, une cote à 13 euros, il y a quoi? Le 3, là c'est le 3. Après le 13 en favori au quintet, il faudrait qu'on fasse 12 et 14. Comment on ferait 12 et 14? On fait 13 plus 1, 14.
Darlene Desbordes, Sainte-Parc, Grand-Oncle. King Levis. 6 fois 2, 12, c'est 4 et 2, 6, 3. 4 et 2, 4, 2, 13. 4, 2, 13. C'était quoi l'arrivée du quintet hier, là? Il n'y a pas que 4, 2, 13 au quintet hier ou un, une dizaine ou pas? Hier, il tombe 7, 10, 14, 5, 12. Le 12 d'hier, il est peut-être représenté par l'As ou le 3 aujourd'hui pour le quintet. R1-C3. Aujourd'hui, par rapport à la course d'hier, on reprendrait bien le 12 en forme de As ou 3 d'hier. As ou 3 et 14, 13 As ou 3 hier. 14, 13 As ou 3. On va regarder ça après, on regardera le quintet quand ça sera le moment. Neuf de 4-6, j'avais moi. Qu'est-ce qui tombe là? On va couper placé 9-2 alors, ça marche? C'est quoi derrière le 6, le 9, non? Ah, moi je l'avais pas. J'ai couplé placé, si tu jouais la formule de 4 chevaux, 4 fois 3, 12, il y avait 12 partants, hein. 4 fois 3, 12, bêtement, il y a R3, C5, il y avait bien le 3, hein. Salopard, 4 fois 3, 12. C'était de 7 fois 2, 14. Non, c'est quoi? C'était 5, 12. 3 et 2, 5, plus 7, 12. On va regarder parce que le 7 ou le 12 sont 4e ou 5e. On fait les calculs pour l'autre. Alors comment qu'on peut appeler ça là? Tu prends des renseignements, voilà, un peu partout. Tu regardes l'heure de départ. Tu vois, R3-C5, on avait 13h23 de départ, R3-C5. On a bien 3 et le 2 là. 13h23. Bon, là on part à 13h40, R4-C5, 13h40. Tu prends des renseignements sur l'ordre de départ, la cote du favori, tout ça. Tu vas te retrouver avec des combinaisons, tu regardes les chevaux, prends des chevaux, s'il y en a un qui te parle ou pas, puis après tu poses ton ticket. Tu balances pas comme ça, comme un sauvage, 100 balles sur des chevaux parce que l'autre il te l'a dit ou j'en sais rien. Fais ton travail toi-même, merde. Mais je t'explique ma méthode, moi. La cote du favori, le 12 à 2,5. Le 12, les anciennes places du 12, c'est quoi? R3, C5, les anciennes places du 12. Ah, bah j'ai le 4 maintenant, j'ai le 4. Non, c'est quoi celui-là? Ah oui, c'est R4, C5. Hein. Ah putain, je vais y arriver là. R4, C5, 13h40. Le 12, les anciennes places du 12. Oli Madric, As 2, 5. Les anciennes perfs. As de 5 et il y a des disqualifiés. Le 12, c'est un 5 ans. Bon, il a 3,2 contre 1. Bah non, là il a 2,6. Bon. Entre le PC et puis le direct sur la télé, c'est autre chose. Donc 13h40, on a la cote du favori. On a les anciennes perfs. On doit égaler l'arrivée qui vient de se faire. 4, 3, 2, 7, 12.
Bon, c'est encore pas définitif l'arrivée qui vient de se faire, mais on va la prendre quand même. On a 13 partants à faire 3 fois. Qu'est-ce qu'il peut faire 13 partants 3 fois? On a le 12 en favori. On a l'heure de départ à 13h40. On a la cote du favori à 2,7. On va faire déjà un premier tirage avec le 13, le 11. Ça ferait quoi? Ça ferait 13, 2, 11, 4. 13, 2, 11, 4. Et celui-là, ça ferait quoi avec le 7? 16, 18. Ça ferait quoi? Ça 9, 5, 7. On va regarder. Alors, 11, 2, 4, 13, 9, 5, 7. On est à 2,7 la cote du favori. Sinon, comment on ferait ça alors? À 2,7 du favori le 12. Mais je ne sais même pas si on va le prendre en favori le 12. Il n'y a que des places de disqualifiés pratiquement. Alors comment on va faire là? 13h40. Qu'est-ce qu'il peut nous faire? On va regarder le 4. Le 4, il est rassurant pour faire nos calculs. Historic Day. Sinon, comment on fait 4 avec le 13 au Comélois? Si on prend 4-13, non? C'est quoi là? C'est des 5 ans? 13h40 de départ, on prend 13? 13h40 de départ. On prend 13 et le 4, 13h40. Bêtement. Sinon, comment on fait? Il y a quand même une différence entre les plus faibles et les plus petits. Enfin, les plus faibles. Il y a le 12 et favori. Il faudrait qu'on fasse 11 et 13. Comment on fait 12-13? Si on prend 12-13, comment on fait 11 derrière? 2 moins 3? Il faudrait faire l'as derrière. Hein. Si on prend 12-13-11, on peut prendre l'as. Hein. C'est quoi l'as là? Les roses des barbes. Ah ouais. Oli Mandric, Hugo Mélois, Izzy Amérandez. Comment on va faire là? Il y a des disqualifiés, des places de disqualifiés pour le 12, ça me fait peur. Le 13 est plus régulier parce qu'il a moins de disqualifications. Le 13. À 13h40 de départ, on doit prendre le 13 normalement. Si on fait nos calculs avec le 13, on a la cote du favori à 2,6. Donc 13, ça fait 3 moins 1 égale 2. Donc il faudrait qu'on égale 6 derrière. On va regarder 6, qui c'est? On l'avait tout à l'heure à faire les calculs là. 4 et 2, 6, on l'avait. Sinon, avec le 11, ça fait 2. Et le 4, comment on ferait? On prendrait 4, 11, 13, 11, 4. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Izzy Amérandez, 13, 11, 4. On va regarder l'allure des chevaux là. Le 4 aime bien se plaire avec As, 7, 4. Ou avec le 5, mais ça paraît un peu riche. Hein. Il y a 13 partants, 6 et 7, 13. Le 6 et 7, c'est mon interrogation, 6 et 7, mais unique le 6. Athena of Night. Hidalgo, Herbiné. Ah, c'est quoi celui-là? Ouais, il est énormément tenu, et puis le chrono était bon, il marchait 16-2008 à mort, il marchait donc je pense que ouais, c'est... Ah, j'arrive pas à accrocher quelque part pour faire mes recherches. On a la course d'avant, on a quoi? Voilà, ça, le devant il était derrière, donc ça allait, là, devant, il rentre. Avec les cotations qu'il y a, on a peut-être du 10 là. C'est qui 10 History Family avec Abrivard, avec la famille Abrivard, le 10? Non? C'est intéressant celui-là, non? Qu'est-ce qui tombe à Pontchâteau depuis tout à l'heure? Il y a du 10-11 aujourd'hui, 10-11-12-13 aujourd'hui. On va mettre 10-11-12-13 en 2 sur 4 là. Sur les deux atouffres de Karl Champenois, savoir le 6 unique. Qui a désormais quelques courses dans les jambes. L'autre jour, il a pris une bonne troisième place, c'était sur l'hippodrome de Machecoul. Car me disait, il a peut-être manqué d'un petit artifice ce jour-là. Donc aujourd'hui, il est muni d'un des bouches-oreilles. Est-ce que ça va lui permettre de... 10 As, 11, 13, 10 As, 11, 13. 11, 12, 13 As. Ça peut être faisable pour la victoire. 11, 12, 13 As. J'ai envie de mettre l'As pour c'est un peu placé, peut-être. Il serait marrant, celui-là. Pour la présenter, ça lui permet de rester en condition avant le tour, hein, de s'amener sa tâche et
est loin d'être facile. Si on prend les plus petites, 11, 12, 13, As, c'est quoi l'As, la famille de l'As? Paris au fort, Unibarbès, André Francis Bijon, ah, c'est quelque chose. Hein. R4, C5. Si on prend 11, 12, 13, As, ça ferait quoi celui-là pour faire nos, pour arriver à nos calculs? 13h40, on a 13. 3 et 1, 4, donc on a 13 et le 4, 13 avec le 13. On a 13 As, 13 As 12, 13 As 11, 13 As 11. Ça me plaît bien, 13 As 11. Pas de soucis de santé, le 12 est favori à 3 euros. 11 et As, ça fait 12, 2 et 1, 3. 11 As. 12, 11, As ou 13, 11, As? 13, 11, As, 12? Je vais regarder mes recherches avec ça. Là. 13, 3 et 1, 4. Le 12, 2 et 1, 3. 1 et 1, 2. 4, 4 et 3, 7. Avec le 12. Formule 2 sur 4, hein. 12, 13, As, 11. J'ai envie de mettre l'As, pourquoi ça peut placer peut-être. J'aime bien l'écurie avec l'équipement qu'il a, là. L'entourage, les roses des barbes. Attends, là j'ai fait quelque chose, non? Ça marche toujours ça? Deuxième course de rentrée pour celle-ci, Story Family, au 25 mètres. Batté 6-13, 8-2-9, 6-13, 8-2-9 pour celle-là, non? Elle a un modèle assez léger, donc on peut penser qu'elle ne serait pas assez vite, mais voilà, les conditions de course ne sont pas extrêmement favorables. 6-13, 8-2-9 pour toi, Batté? Dans la cote à 3,4. On attendra peut-être qu'elle soit déférée pour... À 13 et 12, hein, ça fait 3,4. Hein. 3 et 1, 4 et 12, 2 et 1, 3. Hein. La cote du favori à 3,4. Hein. Il y a 12, 13 qui sont rassurants. Moi, j'ai envie de mettre. Si je mets 12, 13, 11, je mets une grosse. Je mets l'As. En 2 sur 4. J'aime bien faire des suites de chiffres. Moi. 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8. J'aime bien faire des suites. Alors là, je fais la suite par rapport à l'As. Je mets 11, 12, 13 et je reviens avec l'As. Il y a 13 partants. Le 12 est favori. 2 et 1, 3. C'est plus l'As, ça fait 13. Il y a 11, 3 moins 1, 2 du 13. Plus 11, ça fait 13. On a 3 fois le nombre de partants. 11, 12, 13, As. J'aimerais bien me la faire celle-là. Putain, je serais content. J'aimerais bien que ça marche bien, ça. On va regarder, on va y être attentif. À Pont-Château, les gars, Pont-Château. Après, on va à Auteuil. On partait à quelle heure, là? À 13h40, on départ. Hein. On partait, là. On m'entend bien, là? 13h40, on départ. Le trotteur, le joueur du premier poteau historique qui affiche tout de suite ses armes en tête pour le Yanté Robardet. Se rapproche au nez de Couchimon en troisième position devant le 6 unique avec en dehors Athéna of Night qui précède Hidalgo Herblil. Rod Choisel, le numéro 3, a été disqualifié suite à son incartable Olivier en attente à l'arrière du peloton. Dans le dos pour l'instant, Doko Mélois et Isop du Bocage. On roule devant avec le sculptural historique. On avait la course d'avant là, 4-3-2-7, ça faisait combien 2 sur 4, 4-3-2-7. Il n'y avait pas de grosse cote. Hein. Couplé 4-2, j'avais 4-2, à 2,90 seulement, 2 sur 4. Ouais, tu vois, il n'y a même pas de gain. Ça ne rembourse pas le ticket, ça. Tu peux avoir ton ticket gagnant, mais tu n'es pas remboursé. Hein. Avec un deuxième position, Héros Barbet, Isop du Bocage, qui sont suivis par Héros Herblil.
avec également Unique, Atela Osnight, Hidalgo, Herblinet, qui viennent ensuite, on attend toujours. Je partais mes calculs avec 4-3-2 tout à l'heure, R3-C5. Et je suis parti en cacahuète. Quand tu fais trop de recherches, après tu pars en banane, tu fais des conneries, tu veux trop te creuser la tête, ça fait que des merdes. Quand tu réfléchis trop, c'est pas la peine, ça marche pas non plus. Position qui ne varie pas. Et pour passer devant les tribunes, historique d'être toujours à l'avant du peloton, et Ron Barbet vient ensuite avec le numéro 9, l'isole du bocage. On a fait la faute ensuite avec Herbal devant d'elle qui disparaît. Aucun changement, ça n'a quasiment pas bougé depuis les premiers mètres. Si vous m'emmerdez, c'est 12 là, s'il fait la faute ou pas là. Bocage, qui est venu à 3 quarts du cheval de tête, historique d'être. Attends, on est à combien? On est à une heure de live, vous êtes déjà 2000 à avoir vu la vidéo pratiquement là. Je vais essayer de rester jusqu'au quintet, mais avec cette allure là, j'essaie d'expliquer, je suis partout là, ça va être chiant. Je vais être crevé là. C'en est terminé de ses chances, sa première disqualification. Aujourd'hui, Historic Debt, qui laisse le champ libre à l'isole du bocal, le numéro 9. Hiro Barbet est toujours en deuxième position à l'extérieur, Odette Touchimon, le numéro 2. Et voilà maintenant Hidalgo Herblinet avec Mathieu Potier qui s'avance. Lysia Marandez lui emboîte le pas, de même comme Madric. Il faut des 25 mètres hein, qui sont en train de se rapprocher. Salut Hamid. Hidalgo Herblinet qui fait un très bel effort. Salut les amis. Il n'arrive pas pour l'instant à dominer ses adversaires. Il reste un petit peu en suspension. Isop du bocage, toujours à l'avant du peloton, devant Hiro Barbet, le numéro 1, le 2, Odette Touchimon, qui reste courageux pour l'instant. Quant à Odette Madric, elle est toujours à l'arrière du peloton. Elle va tenter de faire une belle ligne droite à l'image d'Isia Marandez, qui marque pour l'instant. Début de la ligne droite finale, on entre en tête avec le numéro 9, Isop du bocage, qui va tenter de créer la surprise. Mais Isia Marandez est lancée maintenant par Richard Joly. Attention également à Oli Madric, le numéro 12, qui l'a toujours en point de mire et qui s'apprête à bien terminer tout à l'extérieur. Le 9 a toujours l'avantage. Isop du bocage, mais débordé maintenant. Isia Marandez qui va être attaqué tout à l'extérieur par Oli Madric, le numéro 12, et Eric Raffin. Isia Marandez qui tient tête pour l'instant à Oli Madric. Oli Madric qui essaie de faire la différence. Oli Madric peut-être sur le poteau. Dommage, l'as, dommage pour l'as. Dommage. On est bon, les gars, dans nos calculs. Hein. Et pour la victoire, on a vu la collade hein, juste après le poteau entre Eric Raffin et Richard Joly. Est-ce que Richard a réussi à garder un minime avantage avec le 11? C'est des calculs compliqués, non? Ça marche? Mais chien, à chaque fois je me prends une banane avec soit le 9, le 10 ou l'as ou le 2. Chaque fois avec ces courses là, c'est dommage. Et l'as qui est 6e, non? Non? 7e, je sais pas. Il a décroché l'as, c'est dommage. Le 12, avec ses places de disqualifié, c'était tout ou rien. T'as vu d'où qu'il arrive là? Il arrive du bout là. Il a du répondant, mais faut savoir le canaliser, hein, le 12, le favori. Là. Ouais, je voulais le multi, mais bon, il y en a de trio là. Allez, 11, 12, 13, 9, 10. Et Richard Joly, dans l'attente donc du verdict de la photographie, on prend rendez-vous maintenant sur la 36e, le prix de l'unité. Il rien des 7 qui t'aiment. Voilà, merci Olivier, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On a la cote du favori là, le 4 à 3,4. On est en courant dès que nous avons l'arrivée, et on va démarrer une nouvelle page de ce grand direct avec Auteuil, très belle réunion. L'heure de départ, on a quoi? 13h58 à Auteuil. On a 12 partants à faire 3 fois. On a les anciennes places du 4. À Auteuil, les anciennes places du 4, on a quoi? Ah, c'est un inédit, c'est chiant ces courses-là. On a 12 partants, c'est des inédits, c'est chiant. Avec le 4 en favori, il faut qu'on fasse 14, 13, 15. 4 favoris. 14. On va noter déjà ce qu'on doit retrouver. On regardera. On a la cote du favori à 3,4.
On a l'heure de départ à 13h58. La cote du favori à 3,5 maintenant. Ça change, hein, ça change. Il faut être le 4 en favori, il faut qu'on fasse 13, 14, 15. Donc 3 fois 5, déjà on aura 15. 5 moins 1, 4. Donc on aurait quoi, un 2, 10 là, hein. Attends. 10 et 3, 13. Le 3, c'est quoi? Sinon, comment on fait 10 et 3? À 3,5 du favori. J'ai envie de faire un 2, 3, 4, 5 là, mais bon. Je vais t'emmerder par le 10. On va regarder les chevaux. Blue Destiny, Match Play, Casper Denonant, David Duberlet, Joli Cœur de Gouet, Eden Bleu. Il y a 12 partants là aussi. Là. 13h58 de départ, 2-1-3. C'est quoi? C'est 12-1-3 plus 10 ou plus l'As? C'est 12 As ou 12-10? Les anciennes places du favori, on ne les a pas. Return of the King, le 12, avec Joël révélé, c'est quelque chose. Je vais regarder l'origine, tout ça, du 12. Bertrand des Balles en bas, Lady Coco, Capgarde, le père de la mère, Capgarde du 12, c'est sympa. Après, il faut qu'on égale l'arrivée qui vient de se faire, là. Si on prend 10-12... 10-12, on a 10, on a 2 moins 1 du 12, on a 9, on a le 10, on a le 13, on a le 12, on a le 11 alors, 2 moins 1, on a même le 11, avec 10-12 on a tout là, l'arrivée qui vient de se faire, on part à 13h58, 2-1-3 plus 10, ça fait 13 déjà, 13h, 2-1-3 plus 10, par contre c'est 3000 mètres. On a 2 et 1, 3 plus 10, ça fait 13, 13h58. Ou alors on met 13, 5, 8, on met quoi? On met 10, 12, 5, 8, on met quoi? La cote du favori est à 3,1. On peut faire 8 moins 5 égale 3. Et 12 et 10, ça fait 24, 22. 2 et 2, 4. 5 moins 4 égale As. Donc on aurait 13. 13h58 alors. AC3, AS3, 5-8 alors. Ou alors 10-12, 5-8. On fait quoi? AS3, 5-8 ou 10-12, 5-8? Si on prend 5-8, si on prend 18, on prend le 12 ou l'As ou le 5? 18. 18 As. Ça ferait 18 As. Ça ferait, on retrouverait le 9 là, 19. On fait 18 As 4 alors. 8 et 4, 12. 10 et As 11. Voilà, 18 As 4 là. On va regarder qu'est-ce que c'est. Alors on a 18 As 4 par rapport à l'arrivée qui vient d'arriver. Par rapport qu'est-ce que je calculais là tout à l'heure, que j'avais 8, 5, 3 As. C'était par rapport à la cote du favori. J'avais 8, 5, 3 As. Si je récupère par rapport à l'arrivée qui vient de se faire, j'ai 18 As 4. Par rapport à la cotation du favori, j'ai 8, 5, 3 As. On a 13h58. Est-ce qu'on a 8, 5, 3 As ou on a 18 As 4? Comment on va trancher, les gars? On va regarder les chevaux s'échauffer. On va regarder l'origine, tout ça, des chevaux. Le 12, il me plaît bien, mais bon. Je vais le révéler, Bertrand des Balles en bas. Les autres sont peut-être bien aussi. Hein. Il y a Mémé avec le 11. Le 11, il fait quelque chose. Hein. Network, Victoire des Bordes, le 10, avec François Nicole, c'est quelque chose. Hein. Le 9, c'est quoi? Et non partant. Le 8, c'est du Chaillé. Norris 4 Hall, ah, c'est quelque chose. Le 8 aussi. Hein. Le 7, c'est quoi? Thierry Chevillard, Atlantique Festival. Le 6, c'est quoi? Giuliani, Jeu de Saint-Éloi, Cadougor.
François Gilles, David Cotin sur le 5, c'est quelque chose aussi. 5-8, c'est quelque chose. Hein. Il y a 12 partants, 5 et 8, 13, 3, 3 moins 1 égale 2. Donc on a 5-8 A, 5-8 10. C'est quoi celui-là? Ou 5-8 4, ou 5-8 10. 5-8 4 10 alors? 5-8 4 10, est-ce qu'on met le 4? Joël Charon, Saint-Dessin, le 4, c'est quelque chose aussi. Hein. Norris 4 O, le 3, c'est quelque chose. Hein. 8-5-4-3, non? Pelletier, Excel 1 Excel, le père du 2 est pas mal. Norris Catol, le père du 3 est pas mal. Sadex, Las, Lagnès, Macaire. L'entraîneur de Las, c'est pas mal, mais l'origine, je connais pas trop. Si on prend 3-2-4, si on prend 8-3-2-4, on fait quoi? 10-3-2-4, 8-3-2-4, 5-3-2-4? On va regarder 5-3-2-4, ce que c'est. On a 4 en favori, il faudrait qu'on fasse 14, 13 et 15. 3 moins 2 plus 5, ça fait 15. 3 moins 2 plus 4, ça fait 14. Et le 13, comment on fait 13? 5 fois 2, 10, plus 3, 13. 5, 2, 3, 4. C'est marrant celui-là, c'est parce que c'est une course compliquée, mais est-ce qu'on prend les favoris ou pas là? J'aime bien l'entourage de l'origine du 5-2-3-4. Hein. On a 12 partants, 4 x 3, 12. Bêtement, 4 x 3, 12 déjà. On a une cote du favori à 3,1, donc on fait 4-3. J'aime bien l'origine et l'entourage du 4-3-5-2. Ah, je vais regarder encore 4-3-5-2, je vais regarder les autres quand même. Joli cœur de Gouet. Attends. Et compliqué à Auteuil. Match play, Blue Destiny, David Duberlé, Bois Zenith. Son frère qui était un extraterrestre n'a pas gagné en relais. Il a gagné à la fin de son année. Comment on va faire là? Il faut qu'on fasse l'arrivée d'avant là, 12, 11, 13, 9, 10. On fait 5 fois 2, 10, on fait quoi? Le 2, comment on se le fait? On fait 6 moins 4. 6 moins 4, ouais, c'est quoi ça? 10 moins 5. 10 divisé par 5 égale 2. Comment on va faire là? On a un code du favori maintenant qui bouge à 2,9. On n'a pas d'ancienne place. On a 13h58 à faire. C'est peut-être ce qui va lui permettre de gagner en haut, ce qu'il a fait sur le champion. 8-5-10, 8-5-10 quoi, 8-5-10-4. On va prendre les plus petites, hein, je suis désolé, 8-5-10-4, je sais même pas, putain. Ah, j'ai peut-être une combinaison avec 8-3-5 alors ici. Ah putain, 7-4, pourtant ça paraît pas mal. Ça paraît intéressant peut-être, A-7-4. 7-4 égale 3 euros, hein. La cote du favori à 3 euros là. 7.4. C'est quoi le 7? Thierry Chevillard, c'est quelque chose. Romarius. Thierry Chevillard, Morandi, Atlantic Festival. Michel Lucas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je serais intéressé par mettre A7-4 en 2 sur 4, les gars. Cet et 4, 11, plus 1 et 1, 2, plus là, ça fait 12. Déjà, nous offrons le nombre de partants. 7 et 5, ça fait 12. Ouais, 7 as 4. 7 as 4, 6, 7 as 4, 5, 7 as 4, 2, 7 as 4, 3. 4 fois 3, 12, 7 as 4, 3.
aussi Rush et Auricula grâce à l'essai volant chez les poulains et Jazzisnam chez les poliches. C'était 5-12. C'est le haut du panier, son effectif. On prend les plus petites, 7-4-5-1, ça serait marrant de 7. Parce que c'est une course compliquée, ça serait marrant de 7. On s'en peut placer. Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'ils étaient assez sérieux, même si là on a vu une hésitation de Joli Cœur du Boué. On a peut-être 7, on s'en peut placer là. Alors comment on fait 4-1, ça fait 10. Donc 4-1, ça fait 3, 7 et 3, 10. On a 7 et 1, 8 et 1, 9. On a quoi? 7 et 6, 13. 7 et 5, 7 et 5 12. 7 et 4, 11. 7 à 5, 4. 7 à 5, 4. Couper, placer, 7 à 5, 4. Le 7, on s'en peut placer. Un 2 sur 4, sinon 7 à 5, 4. On a 13h58 de départ. Ça marche avec 7 à 5, 4, 13h58. Ouais, ça marche, hein, 13h58 avec 7 à 7, 4. Ça marche avec la cote du favori à 2,7. 7 à 5, 4, 7 à 5, 4. Couplet placé, 2 sur 4. Le 7, ça peut placer. Je serais marrant de la mettre celui-là aussi. Je serais marrant de la mettre. Et pour le quintet, Razo, c'est pour le quintet? 10, As, 12, 13, 11 pour le quintet, Razo? Merci Pichou, merci, merci les amis. Les habitués, les gars, merci les habitués. Merci, merci. Les poulains vont passer devant les tribunes et nous avons à l'extérieur Ilopambou qui anime la course numéro 1 de la classe intérieure. Casper de Nouvan qui l'a fait une tête en deux ans. Ouais, je me suis peut-être trop cassé le crâne là, j'ai peut-être fait trop de recherches. J'aimerais bien que ça passe quand même. Merci Christelle. Les patients pour l'instant à mi-coton devant notamment le numéro 2 Basté, un petit parti des apprentis, tout comme le numéro 3 de Destiny en dernière position, le 12 Return of the King. J'étais parti avec 10, 11, 12, 13, je sais pas quoi, j'ai fait un chiffre. Le temps il s'est écoulé, j'ai fini avec autre chose. C'est une longue distance, hein, il y a 3000 mètres, hein, c'est des... La course d'avant, on avait trio, non, 12, 11, 13. Combien ça aurait fait en formule trio, combien ça aurait fait ça? C'est encore pas calculé. La course d'avant, 4, 2, 3, 7, on avait un 2 sur 4, pas trop cher. Dommage. 4, 2, 3, ça aurait fait combien ça? La formule 4, 2, 3. Mais si t'as de quoi faire plusieurs tickets, c'est bien pour toi, mais. Un trio à 11 euros, ça paye pas déjà. C'est compliqué, ça paye pas. C'est pas les jours les mieux, là, au début du mois, là. C'est pour les gains, et c'est compliqué, les gains sont faibles. Il reste 1150 mètres, 1150 mètres. Le favori David Duberlé est 7-8e, il est encore en course pour des bonnes places, mais très loin pour le moment, son compagnon en très loin. Et les concurrents se dirigent vers le tournant de Passy, le tournant final, avec toujours Casper de Nouvan, donc qui a une confrontation sur le peloton ramené maintenant par le numéro 5, Ozenith. Ah, j'ai effacé mon ardoise, merde. Je vais regarder mes calculs si c'était bon, là. On a celui-là, là. À son extérieur, le numéro 6, le joli cœur du
J'ai pas de quoi faire 50 tickets, donc c'est pour ça que je serre un peu mon prono. Ça vous intéresse pas, les gars? Oh, il y en a un qui est tombé. Là, c'est tombé, putain. Il a pas mal. La chute qu'il a fait, mon petit gars. 1, 2, 3, 4, 5, putain, merde, fait chier. Bon, couper, placer, ça rentre. Simple placer, le 7, il n'y a pas. 2 sur 4, c'est bon. 5, 3, 4, c'est bon, on est bon. C'est pas des grosses cotes, les gars. 5, 3, 4, 6, hein, c'était un peu plus haut. Le 4 ou le 6, le 4. Bon. Le 4 était favori, hein. Fallait qu'on fasse 14, fallait qu'on fasse 13, fallait qu'on fasse 15. 5 et 4, 9 et 6, 15. 6, 4 fois 3, 12, 6 moins 5 égale 1, 12 plus 1, ça fait 13, 10 et 3, 13, il fallait qu'on fasse 14. 8 et 6, 14, 5 et 3, 8 plus 6, 14. Bon. Couplé placé, c'est bon, 2 sur 4, simple placé, le 7 il n'est pas là. 13h58, hein. On a le 3-5. Appuyez-vous quand même pour savoir l'origine, tout ça, de, tu vois bien, on pose pas un prono final comme ça à la va-vite. Hein. On retrouvait le 10, tout ça, l'arrivée d'avant, mais bon. Après, t'as 50 façons de calculer 12, calculer 10, tout ça, donc. Allez, on va voir R4-C6. On a l'arrivée d'avant, 5, 3, 4, 6, 10. On a le favori, là, le 12 à 1,9. On a l'heure de départ, là, l'heure de départ de R4-C6, 14h15. Il y a 18 partants, là. Je pense que la course se cantonne à ces 9 concurrents, là. On a quoi? On a 18 partants à faire 3 fois. Très bien. Ando d'Asif, très joué, hein. 1,90€ seulement, il est passé sous la barre de 10€. Alors, on va prendre la cote du favori, 1,9, le 12. 1,9. On part à quelle heure? 14h15. Avec l'As, on ferait quoi? 12. On ferait quoi? On fait 12 As. On fait quoi? 12. 12, ça fait quoi? Ça fait 3. Ça fait 10 plus. Ça fait 9 et 3, 12. Ça ferait quoi, ça? Ça fait 18. Ça fait quoi? As 8, 9, 12 As 8, 9, c'est quoi celui-là? C'est quoi les cotes là? R4-C6. 2 et 1, 3 plus 6, ça fait 9. Hein. On prend 9. Il y a 18 partants, on fait quoi? 18 partants, on fait AC8, ça fait 18 partants. AC8. On a une cote de 1,9 du favori. 8 et 1,9, on a l'As. On va regarder qui c'est tout ça. R4-C6 à 14h15 de départ. C'est ça qui est un peu chiant, c'est que l'heure de départ, 14h15. On fait 6 moins 1 égale 5, 14h15. Et tu regardes mes combinaisons de secours sur en haut des pages. Hein, on se retrouve avec des combinaisons
On les a tout le temps, couplé gagnant, couplé placé, quelques jours, des fois, c'est couplé placé, quelques jours, c'est couplé gagnant. C'est toute l'année, pendant des années, ça va être ça encore. En haut des pages, les gars. Et mes arrivées de secours. À 14h15 de départ. Oh, j'étais où, là? Ouais, je voulais regarder les chevaux qui c'était. Il y a Pontchâteau, Pontchâteau, qu'est-ce qui tombe à Pontchâteau depuis tout à l'heure? 12, 11, 13, 9, 10, 6, 5, 8, 2, 10, 7, 8, 10, 11, 9, 11, 13, 4, 6, 14, 6, 2, 3, 12, 2, 6, 2, 3, 12, 8. Bon, il y a 18 partants. Fraîcheur du Mont, le 2, Escale de Malouet. 2 fois 9, 18, mais comment on fait 9 ? Pour voir s'il a retrouvé l'intégralité de sa condition physique. Voilà, c'est quoi ça ? C'est de l'athlée, c'est 2800 mètres, départ à 14h15. Avec Eric Raffin. Alors, voilà, on a un des chevaux qui font leur entrée en piste. Dans la prochaine... Comment on va faire là ? Faut détailler chaque cheval et tout là ? C'est vrai, chiant. C'est s'intensifie qui concerne Fazenda de Mortray qui est allé à Cap-sur-Mer cet hiver. Qu'est-ce qu'on fait en détail chaque chevaux, quoi, là? Putain. R4, c'est 6. On prend le 4 et 6, on fait quoi? 6 x 4, 24. 4 et 2, 6. Pour faire 18, 6 x 3, 18. On a quoi, 6 x 3, 18, là? Avec des codes comme ça, on prend le 3, là? C'est quoi, le 3? Hendrix bleu avec Raffin? Olivier Raffin? C'est quoi l'origine du 3? Ulodea. On a toujours un grand favori avec Endo Dazif, on va maintenant écouter... Le 3, sinon on fait en forme de 12 ou en forme de quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre, là? Et l'arrivée d'avant, il faut qu'on égale 5, 3, 4, 6, 10. Comment est-ce qu'il y a eu Endo Dazif? Il est pas mal, il est pas très démonstratif, oui. Donc, avant le coup, c'est une chance. Mais au 8, il n'en met pas plein les yeux. Il est très costaud, hein, on l'a vu. Le 10, c'est quoi celui-là, le 10? Hier, je lisais les noms des chevaux et j'ai regardé ce que j'avais enregistré. Le résultat, c'était autre chose. J'avais le nom des chevaux devant moi, je les lisais, ils ont donné l'arrivée. Et je sais pas, j'ai regardé après les résultats sur le PMU, c'était autre chose. C'est chiant. C'est bizarre quand même. Avec le 12 en favori, il faudrait qu'on fasse 12, 11, 13. Avec 12 en favori, il faudrait qu'on fasse 12, 11, 13. On fait quoi, ça? On fait 4 fois 3, 12. On fait 4, 2, 1. Ou on fait 4, 3. Donc, peut-être faut-il attendre, surtout si on veut le jouer gagnant. Éventuellement, si on y croit, l'envisager pour une place, mais... Pour gagner, ça semble ça paraît compliqué, hein, suivant les dires de Clément Duval-Destin, il en prend un petit peu trop juste. Il y a beaucoup de partants en plus dans cette épreuve, donc pour envisager le podium, c'est un peu chaud. Pour les petites classes, c'est un petit peu sûr. Alors 12 moins 2 égale 10 de la course d'avant, 12 divisé par 2 égale 6. Le 4. Sur la constatation du petit poulain tout à l'heure, c'est moins. Le 3. Pour finir. Fait son meilleur coup, on a dit il en avait tout lâché et le cheval s'est perdu. Ça avait bien marché lors de et le 5. Mais là, il reste un petit peu plus à... On a 12-4-2, 12-4-2, mais on fait quoi avec ça? 12-4-2-3, 12-4-2 quoi? 12-4-2-6, 12-4-2-8, on fait quoi? 12-4-2-6 ou R4-C6, 12-4-2-6, on tente R4-C6, 4-6. Après, il faut qu'on égale 18 partants. Mais l'an dernier, c'était sous le nom de Thierry Rabjo. Cette année, c'est tout fouillé Thierry Rabjo. 12-4-2. 12-4-2-6, 12-4-2-8, c'est quoi? Ah, voilà, c'est une demi-première victoire. 12-4-2 quoi? 12-4-2-3, 12-4-2-6, 12-4-2-8. On va essayer de regarder 18 partants. 3 x 6, 18. 6 x 3, 18. Alors 6-3-12. 6 x 3, 18, 6 x 3, 18, 6 x 12.
6, 3, 12, quoi. La cote du favori à 2,1. En compétition, ça paraît compliqué pour lui aujourd'hui. Avec 6, 3, 12. On fait 6, 3, 12, quoi. R4, C6, 6, 3, 12, 4. 6, 3, 12, 2, 6, 3, 12, As. Après, il faut qu'on égale 12, 13 et 11. Ah, c'est 6, 3, 12, 2. 6, 3, 12, 2. On peut y placer 2 sur 4, 6, 3, 12, 2. Bah, j'ai peur du 6 en forme de 15 ou en forme de, je sais pas, ou 2 fois 3, 6. Celui-là, il m'inquiète, 3, 12, 2. 3, 12, 2, 6, 3, 12, 2, 15, 3, 12, 2, quoi. 3, 12, 2, As. 3, 12, 2. On s'en peut placer 2 sur 4. 3, 12, 2. Ici, qui 6, 3, 12, 2, hein, 2 sur 4, hein, 6, 3, 12, 2. On retrouve l'arrivée d'avant là. 12 moins 2 égale 10, 12 divisé par 2 égale 6, 6 divisé par 2 égale 4, on a le 3, on a quoi? On a 3 et 2, 5, 6, 3, 12, 2. On a l'heure de départ, 15, 14h15, 12 et 2, 14. 2, 3, 5, 12, 2 moins 1, ouais. 6, 3, 12, 2, c'est pas mal, ça me plaît. La cote du favori, il a combien? 2,3. La cote du favori à 2,3, on prend 2, 3. On prend 2, 3, 12, 2, 3, 12, 6, 2, 3, 12, c'est pas mal, 2, 3, 12, 6, 2, 3, 12, 8. 2, 3, 12, As, 2, 3, 12, 2, 3, 12, R4, C6, 2, 3, 12, 6, 2, 3, 12, 4, 2, 3, 12, 4. Voilà, enfin, 2, 4, 12, hein, ça devrait rentrer, hein, 2, 4, 12. C'est les plus petites, hein, 2, 4, 12. En 2 sur 4, ça devrait rentrer. Il y a 3 petites, là, cette course-là. Il faut jouer 2 sur 4, ça. Les 3 petites. 12 de 4. Donc, voyons, ça devrait rentrer. En plus, c'est R4, c'est 6. Qu'est-ce qu'on avait la course d'avant? Je ne me rappelle plus. On avait le trio, non? Non, on avait coupé et placé. 5, 4. Ça n'a pas payé non plus, cette petite cote. C'est pas payé encore. Bon. On a un trio tout à l'heure à 9 euros. Non, 15 euros le trio. R4C5, 13 euros. 15 euros le trio. R4C5. Je n'avais pas donné la formule trio, j'avais donné la formule couplet placé ou je sais plus quoi. Là. Ah, c'est pas terrible. Hein. C'est vraiment des petits gains et puis c'est compliqué à trouver là. Bon, je sais les gars, c'est dimanche, hein, c'est tranquille. Course qui reste assez ouverte, le favori va s'élancer tout à l'extérieur en deuxième ligne, Endo Nazif avec Eric Raffin. Allez, ça démarre, et ça démarre bien pour Escale de Malouet, le numéro 1 en compagnie d'Hendrix Bleu. On est bien parti également avec Flocon Monjanet tout à l'extérieur, Endo Nazif, hein, isolé des autres, qui est en train déjà de se rapprocher alors qu'on a fait la faute avec Équin d'Avril, hein, qui est un programme et qui va passer en dernière position quasiment, où se trouve également un autre concurrent qui est peut-être Fendu Vivier à confirmer quand même, hein, c'est pas sûr. Pour l'instant, donc, on va retrouver les concurrents dans le premier virage. Avec Endo Nazif, le favori qui est en train de progresser. On sait bien Fendu Vivier qui était à l'arrière du peloton. Endo Nazif qui est en train de progresser sous la vigilance quand même d'Éric Raffin. Alors qu'Escale de Malouet a toujours l'avantage. Précédent Enara de Triou. Avec également bien placé. Flocon de Montjanet, Fleur Filachic qui est en train de se rapprocher actuellement, de même que Fraîcheur du Mont, le numéro 2. Fleur Filachic qui vient de prendre la tête au numéro 1.
alors qu'on a fait la faute avec Franco Fleury sur une troisième ligne, mais qui a été rapidement remis. Chercheur du monde, Benjamin Rochard qui prend l'avantage, mais Ndondazif fait le mouvement actuellement. On va venir en deuxième position aux côtés de Fleur Filachi, qu'on a quitté la corde ensuite avec Escape de Malware en cinquième position. Flocon Manzanet qui vient ensuite devant Franco Fleury qui reste au contact des premiers. Un peu plus loin, Espoir des Masures, le numéro 5. Avec Fraîcheur du monde donc au contrôle de l'épreuve, même si le favori Ndondazif est à sa hauteur. Escale de Malouet qui est en troisième position, toujours en dehors de Fleur Filachic avec en cinquième position. Côté corde, le numéro 9, Franco Fleury. Et à l'extérieur, Flocon Longjalais. On s'est posé, on va deux par deux actuellement, on ne va pas très vite hein, devant les tribunes avec Ndondazif qui s'apprête peut-être à prendre les commandes de l'épreuve, même si avec Rafin temporise. Fraîcheur du Mont se tend un petit peu. Elle va avoir un dos désormais, Fraîcheur du Mont, puisqu'Eric Raffin a décidé d'accélérer pour aborder le dernier tour. Escale de Malouet est tout près. Fleur Filachic en quatrième position avec Flocon Montjanet devant First Pia, le numéro 4 et le 9, Franco Fleury. La course est maintenant lancée pour aborder bientôt le kilomètre. C'est la conduite donc du favori Ndondazif. Sage, Fraîcheur du Mont est en deuxième position. Toujours à l'extérieur, Escale de Malouet, Flocon Montjanet qui suit plutôt bien le mouvement avec son intérieur Fleur Filachic. On a des ressources également avec First Pia. Le numéro 4 un peu plus loin, Hendrix Bleu, et le numéro 4, Franco Fleury, bientôt le bout de la ligne d'en face, avec aux commandes de l'épreuve Ndondazif. Il reste 800 mètres. Avec en deuxième position, Fraîcheur du Mont, troisième place pour Escale de Malouet, tout près des premiers également, même si elle est sollicitée, Fleur Filachic, Flocon Manzanet qui suit plutôt bien le mouvement, avec First Pia, avec également Hendrix Bleu, alors qu'il cube de sûreté. La Cataque Blanche essaie de se rapprocher en troisième épaisseur, on est à 500 mètres de l'arrivée. Ndondazif qui contrôle pour l'instant devant les deux Fraîcheurs du Mont. À l'extérieur de ce dernier, le numéro 1, Escape de Malouet, Flocon Manzanet qui commence à se décaler maintenant, et Cube de sûreté qui continue de se rapprocher maintenant, ramenant également un autre concurrent qui est Fazenda de Mortray. Le début de la ligne droite finale, Ndondazif se présente en tête, mais Cube de sûreté vient maintenant l'attaquer. Fraîcheur du Mont marque un tout petit peu le pas, mais se défend bien néanmoins, alors qu'à l'extérieur, Flocon Manzanet se défend bien. Ndondazif qui a toujours meilleur, on vient de lui rabattre les œillères. Est-ce que ça va être suffisant pour contrer Cube de sûreté? Il repart un petit peu Ndondazif aux prises avec Cube de sûreté qui pousse un petit peu sur sa droite, et Ndondazif finalement va avoir le dernier mot devant Cube de sûreté. Troisième place pour le numéro 1, Escale de Malouet devant Flocon Manzanet. Alors on n'a que le 12, putain. Le 2, il a décroché. Il est Ndondazif, le numéro 12, l'entraînement à la propriété de Charles Breu, le fils de Rancho Genet, qui retrouve le chemin de la victoire. Deuxième place pour le 16, Écume de Fureté avec Guillaume Martin, la troisième pour l'As. Escale de Malouet. Non. C'est ça. Si, c'est ça. Et la quatrième. Fais chier, le putain, de 8 de merde. Le 2, Fraîcheur du Mont, 12, 16, As, 8, 2. 12, 2, 6, 8, 12, 2, 6, 3. Putain, j'ai pas pris de bon, merde. Fait chier. Le 2 est trop loin, il a décroché à la fin. Il était tranquille, peinard, le 2, pour finir. Putain. Se voit donc accompagné actuellement par Escale de Malouet. Le cube de sûreté est venu d'assez loin. Il va faire un très bel effort tout au long des 600-700 derniers mètres. Ouais, j'ai pas de quoi faire 50 tickets, c'est pour ça que je vous en propose pas 50 non plus. C'est plus propre, mais tu vois. Et guidé quand même. On l'avait là, 12-4-2-8. 12-4-2-8, on avait pas de 16 quelque part. On avait l'As. On avait As-8, on avait. On m'a fait chier, hein. Il y avait 18 partants, je t'avais dit As-8, 18 partants. Il y a 12 As-8, mais 12 As-8, 6, ou 10 As-8, 2. Après, je suis parti là-dessus, putain. Quand tu te casses trop la tête, c'est pas bon non plus. Hein. Je les avais là, mes calculs, putain, fait chier. J'ai fini par poser quelque chose d'autre. Ah, c'est 18 partants, c'est comme ça, 18 partants, c'est comme ça. Toujours pareil, les calculs, c'est toujours pareil. Bon, je reste jusqu'au quintet, après j'arrête, les gars, je suis KO là. J'arrête pas de courir partout là. À 14h33, on part. Je regarde partout, je suis attentif partout, c'est épuisant.
On va attendre l'arrivée finale, R4-C6, hein, le ticket final. Les commissaires vont regarder l'arrivée, ils vont valider. Le ticket sera validé après, mais on va attendre. 12-16 à suite 2, là, 12-16 à suite 17. 12-16 à suite 2. La photo, là. La photo 2-17. Hein. On va attendre l'arrivée des commissaires, l'arrivée définitive. Là, on a le 9 à 3,6. On a le nombre de partants 13, on va faire 3 fois. Avec celle sur laquelle il était le moins confiant, hein, c'est le jeu aussi des 3 ans le matin. Ah vache! On a bien voulu me le faire celui-là, putain! Dommage! La course d'avant là, fait chier! C'est un bon lot à prendre, merde, c'est dommage! Bon. On va attendre entre 2 et 17, on va regarder. Là, on a 9 en favori. Elle est à 3,5. Sur le Twitter d'Equidia, pour ceux qui veulent s'inscrire et participer, on réalise des émissions de radio comme ça. 3,5, qu'est-ce qu'on prend comme numéro à 3,5? On fait 3 en forme de 12, en forme de 14. Le 3 en 3, en 12 ça fait quoi ça? 2 moins 1 ça fait 1, ça fait 13, 4, 2, 12, 14, 3, 13, 4, 2, j'ai comme chiffre, là j'ai le 14, j'ai 16, j'ai 5, j'ai 7, j'ai 3, 14, 16, 5, 7, 3. J'ai 12, 14, 3, As, 13, 4, 2 comme chiffre. Alors il faut que j'égale 3,3 du favori là. Ça a encore changé. Il faut égaler 14h33. Il faut égaler 13 fois, 3 fois le nombre de partants. Il faut égaler aussi l'arrivée qui vient à celle 2. Alors. Pour l'instant, ils ont mis 2, mais on va attendre. C'est quoi? C'est de la haie, là. Il y a 3000 mètres en, pour de la haie, il y a 3000 mètres. Il y a 3000 mètres en haie, c'est quelque chose à Auteuil. C'est quoi les chiffres correspondants à Auteuil? Je ne me rappelle plus. Les chiffres de la journée, c'est quoi? 6-8, 6-8 ou alors 3-2, 6-8, 3-2, 6-8... Les chiffres du jour, c'est quoi? 6-8, 3-2, les chiffres du jour? C'est spécial pour aujourd'hui, c'est quoi? On est le combien aujourd'hui, là? Le 3-0-4? 6-8, 3-2, 4 aujourd'hui, non? C'est pour pas les courses avec trop de partants, mais... À 14h33, le 9 est favori. Il 18, 19, 20. Avec le 9 en favori, il faut faire 18, 19, 20. Il faut faire 3 fois 13, 3 fois le nombre de partants. Là, c'est chiant parce que c'est une course compliquée. C'est une épreuve compliquée. Les 3000 mètres, c'est une épreuve compliquée. On a la course d'avant à faire. On a 12, 16 à suite 2. Les anciennes places du 9, on n'en a pas non plus là, du favori. Il a 3,4 du favori. Comment on fait 3 et 4? 12, 14, 3, 13, 4, 2. 14, 16, 5, 7, 3. C'est quoi celui-là?
Alors, on vient de voir passer sous nos yeux nuit de sur. On va prendre mes. On va prendre mes. Mais comment mes. Je vais aller regarder mes combinaisons de secours sur mes pages. Qu'est-ce que je propose ? 8, 3, 7, je ne sais plus ce que je proposais sur mes pages. Mes combinaisons de secours, ça serait peut-être pas mal. Là. Ça ne marche pas ? Contre elle a rien contre elle, à part qu'elle débute, toutes les coulisses, je crois. Il y en a qui débutent en cache, je crois. C'est une bonne famille. C'est une bonne famille. Son frère avait gagné en débutant. La mère est invaincue. Elle a un physique magnifique. Elle est appliquée sur l'obstacle. Maintenant, ça reste des débutants. Mais si elle arrête ce qu'elle fait le matin, elle est capable de très bien courir. Mes formules de survie, là, A6 de 4, où il y a quoi? Il y a 10, 5, 13, 15. Bon, il n'y a pas de 5, là. Il n'y a pas de 15. Et sinon, il y a 8, 3, 7, 9, ou 3, 4, 5, As. Il n'y a pas de 5. Si on fait... As 9. Putain. Comment on va faire là? Il y a des belles cotes, hein. Ah, faut regarder les chevaux là. On va regarder les chevaux là. On a Rose Secrète, Étoile du Berlay, Jabot Rosa, Nuit des Surprises, le 4, Nuit de Surprise, Joie d'Or le 6. L'Ossimus le 7, Night Aria le 8, En toute intimité le 10. Ah, le 10 c'est quelque chose. Nuit bleue le 11, Sinsa, Sandlodge le 13, Sandlodge François Nicole. Est-ce qu'il fait tout à l'heure le cheval de chanfrette François Nicole sur la course numéro 1? Gabriel Anders le 3 avec Lefebvre. Le cheval à Macaire, le 4, il finit bien. Ah, il finit 5e, le cheval à François Nicole, le 10 tout à l'heure. Est-ce que R1C2, on prend le 10 encore? C'est la journée de 10, 11, 12, hein, je crois. 10, 11, 12, 10, 12, 13, 10, 11, 12. C'est la journée, je crois. En toute intimité, nuit bleue, sans loge. C'est emmerdant le 9 là. Par son métier, j'imagine un peu l'adrénaline. 3 moins 1, ça fait 2. 2 fois 9, 18. Donc, avec le 9, il faut qu'on retrouve 18, 19 et 20. On fait 10, 10 et 9, ça fait 19. On fait 9 fois 2, 18 du 13 ou du 11. Le 11 est cher là. Non, le 11. On fait 19, 13, 11, comme tout à l'heure, l'arrivée de tout à l'heure. Là, 19, 13, 11, c'était à quelle arrivée ça, 19, 13, 11 tout à l'heure? R4, C5, on recopie. J'aime bien les chevaux vers la fin, là. J'aime bien les comment ils sont équipés avec l'entourage, tout ça. 19, 13, 11. Ce qui est emmerdant, ça va être le 4. Ou alors on fait avec l'As. On fait 13 As. 13 As 2, 3, alors. 13 As 2, 3, sinon. On fait quoi? 13, 2, 3, 4. 13, 2, 3, 4. On a une cote du favori à 3,5. La cote du favori à 3,5. On fait 2, 3 qui font 5. On prend 2, 3. Et R1, c'est 2. On fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est la plus grosse cote. On se rencontre
sur les pétanques à commenter un 3-1 avec un 3,5 du favori. Celui-ci vient directement dans un moment. On fait 3-2-5 ou 4-1-5 l'entraîneur. Pourtant, j'aime bien la fin, là. J'aime bien les derniers. Là. Mais c'est une course compliquée, c'est pour ça que ça me pousse à aller vers des cotes un peu plus fortes. Et en fait, les premiers sont bien équipés aussi. Hein. Et toi, du Bernier, Jabarosa, Nuit de Surprise, Rose Secrète. Vous prenez le même cheval, vous mettez en train de. Il y a 13 partants. Si c'est 7-13, ben, ça va être les emmerdants. Si c'est 7. Amescane, Jean-Yves Foin. En 2006. Comment on va faire jouer à dehors hein. 9 et 4, 13, le 4 du favori, le 9. 9 et 4, 13. Hein. 9 et 4, 13, on fait quoi alors 9, 4, 3, 9, 4, 9, 4 As, 9, 4, 9, 4, 3, 9, 4, 9, 4 As, 9, 4, 3. Là, on a 3,6 du favori. 9-4-2 et la pose est éliminée. Donc voilà, 7-9. Elle a pris sur le 7. Voilà, 6, mais quand il y a vraiment l'argent sur un 3 dans les coins, souvent ça fonctionne. Quelques secondes, pour cette question de jeu, si je peux pas. R3-C6, le 9 à 3,6, on fait 9-4-6-2. 9-4-6-2, putain, c'est compliqué celui-là. 9-4-6-2, c'est quoi celui-là? Joie d'or, nuit de surprise, étoile du Berlay et battable. 9-4-6-2. Ouais, j'ai que ça. En 2 sur 4. Ouais, j'ai même pas le temps là. Ça a été compliqué celle-là à déchiffrer. 9-4-6-2, mais c'est déjà parti. En 2 sur 4. Euh, 14, 33, 6, 8 par 2, 4, 3. 9-4-13, 3-1-4. Ah, c'est chiant celui-là, il est chiant. Il est chiant celui-là. L'épreuve est compliquée. Ça a Auteuil, c'est pareil. Pour le Quintet, ça va être chiant. Encore deux courses, les gars, puis j'arrête. Hein. Je suis KO. Combien ça aurait fait le 2 sur 4 avec le 8, la 12-8 tout à l'heure, R4-C6? Si on a plusieurs tickets à faire, ou à 12 à suite avec 18 partants à suite, ça te fait chier, hein? Pas choisi le bon prono. Combien ça aurait fait en 2 sur 4? 3 fois 30 euros, putain, ça aurait été bon. Un ticket à 3 euros, quand tu fais 4 chevaux en 2 sur 4, c'est 18 euros, tu ramassais 3 fois 30 euros. Mais si tu faisais 2 tickets, bah, ça te bouffait des gains, quoi. C'est ça qui est chiant. Faut vraiment trancher, vraiment. Tu fais 2 tickets, ça va te bouffer des gains. Hein. Tu traceras plus rien. J'avais une bonne impression avec les. Il y avait 13 partants vers le bout, là, 10, 11, 12, 13, mais merde. C'est la journée, faut, je sais pas si ça va être la journée, je sais pas. Non, il y avait le 12 qui était un peu riche, hein. 10, 11, 13, j'avais 10, 11, 13, 9, 10, 11, 13, hein. 10, 11, 13 As. Et je me suis orienté vers 9, 4, 6, 2. Il reste 600 mètres.
franchir. Elliott Mouse qui a donc toujours les commandes et qui garde ses deux petites longueurs sur le numéro 11 de nuit bleue, ronde secrète, fatale. Ah, il est compliqué, c'est les courses compliquées là, faut pas parier toutes les courses, les gars. L'avantage entre les deux dernières, l'Otima Opticoto commande avec Jérémy Da Silva, une bonne longue à l'avance sur Nuit Bleue qui s'avance sur Fao Club et Rose Secret qui est loin la dernière pour l'autre Mouse qui est parti sur sa gauche, qui part encore sur sa gauche, qui ne cesse de partir à gauche. Ouais, on 12-13 as, putain. 10-11-12-13 as. 11-12-13 as, tu fais chier. Ça va rentrer 3 fois de 2 sur 4 avec ce pari 11-12-13 as. J'ai fini par faire autre chose. J'étais avec 19-11-13 en 2 sur 4. Là, je retenais des numéros, mais il ne faut pas jouer tout ça. Par rapport aux favoris, là, à 3,5. Chier. Putain, il y a même le 12, tu vois. Merde. Ah, c'est la journée compliquée, je vous le dis, depuis le début du live. Hein. Il en faut aussi, hein, c'est comme ça, bon. Ça nous forme, ça va nous former. Tu vois bien que c'est pas du tout cuit, surtout en début du mois, les gars. Ça fait longtemps que je fais des courses comme ça. J'ai jamais vu les débuts du mois aussi compliqués. Hein. Ben, j'ai pas de quoi faire 50 tickets, mais. Bon, fait chier. Alors, 7, 11, 13, 12 as. Ah, je suis KO, les gars. Ah. 14h50 de départ. Tu peux vérifier, hein, tu regardes la vidéo, tu vérifieras avec l'heure de départ, tout ça, si ça correspond. Tu regardes l'arrivée et tu vas chercher, tu dis, bah oui, c'est parti à quelle heure? Ah ouais, c'est pas mal. Et tu vas trouver une correspondance avec les arrivées, puis l'heure de que ça part et le nombre de partants, tout ça. Tu vas voir. Après, il faut bien se mettre en tête les numéros qui aiment bien se plaire ensemble. 14h50, R4-C7. Il y a 14 partants, 3 fois égalé. J'ai choisi de jouer contre avec le numéro 6 idéal Baroque qui était bien en contre la dernière fois au moment de sa faute à Lisieux. Apparemment, c'était bien à la vague. Alors, on a la cote du 14 justement à 2 euros. S'excellent sur la bande blanche, attention à lui. J'ai fait ensuite un couplet gagnant combiné de 5 concurrents. J'ai joué contre la favorite. Là, on va peut-être avoir des anciennes places là, pour vraiment répondre à quelque chose. On a les anciennes places du 14, non? Il y a du Goutier, il y a As-As, les anciennes places du 14 et As-As-As, les anciennes perfs. Là, on peut faire 11, on peut faire 11, ou on prend l'As. L'As, il est un peu riche. Et le 11, c'est qui ça? Il banne des caras, là. Il est riche aussi, le 11. Comment on va faire là? Ça va être chiant aussi, là. 1,9 du favori. On a 14h50 à faire, on peut prendre le 14. Hein. Comment on va faire, là? Se stresser non plus. Hein. On va faire le calcul, le 14, on va faire l'heure de départ, 14h50, alors 14h50, on a un code du favori 1,9, on va faire des calculs pour voir ce qu'on récupère comme numéro, et on ira voir qui c'est, tout ça, on ira voir les chevaux s'échauffer, tout ça, pour voir, pour trancher. Là, on fait comment? 12, on fait As, là, on fait 13, on fait 2, on fait 4, là on fait 14, on fait 7,
effectivement placé. Effectuera une grande rentrée absente. On fait 5. À revoir sans doute lorsqu'il sera 14. On fait 3. On fait 12, 12-3. 12-3. On enchaîne avec le représentant de Jean-Marie Monquin, indice de Bruyère, le numéro 5. C'était imposé l'an dernier à Segré. On trouve une place à Mort de Bretagne cette année, une quatrième place également à Laval au mois de mars. Partie des chances régulières pour les places. On est à 14h50 de départ. Là, R4C7 à Pontchâteau. Voilà, c'est la journée, hein. 10, 11, 12, 13, hein. La journée, hein. Ça va être la journée. Hein. Et c'est quoi ça? Le 12 est riche, le 11 est riche, le 10 c'est quelque chose, et le 13 c'est pas mal. Alors on va essayer de détailler. Hypothèque, le 13 c'est quoi l'entourage? Tessier, 14 c'est quoi? Du Val d'Estaing, mec des Riprés, le 14 est pas mal. Le 12, Repeat Love. Le 11, c'est Ouragan de Seyland. Pipon, Patrick Pipon, je ne connais pas trop. Le 10, c'est quoi Bruno Rochard, hein, de Berman. Le 9, c'est quoi Sam Bourbon. Le 9, le père du 9, Sam Bourbon. Il a combien sur la 47? Le 8, c'est quoi Irina Dubivier? Oiseau de feu, Bégume du Vivier, Écurie Minier. Le 7, c'est quoi? Olivier Raffin, Paris au Fort, Rocket the Best. Le 6, c'est quoi? Mathieu Mottier, Thierry Rafteau, Love You, Joie Baroque. Indice du Bouillard, le 5, c'est quoi? Marc Speed, Jean-Michel Monclin. Le 4, c'est quoi? Jésus, Philippe Poton, Univers Dépens, Trust Me. Le 3, c'est quoi? Nicolas Pacha, c'est quoi? Doberman aussi, Sindokagne, le 3. Pacha Dupont, Taloma de Blocage, le 2. Paris au Fort, une à deux au Dostal. Ça va être quoi celui-là, là? Ivoire d'Otis, Inside Spoken, Ibera, Illustreman, Indice de Bruyère, Idéal Baroque, Idole du Riff, Inara du Vivier, Hiermont, Iso des Carnions, Iban des Carins, Iar, Hypothèque, Ilias du Goutier. Comment on va faire? On a 2,3 du favori. C'est des 4 ans. Là j'ai le 10 en favori chez moi et sur l'écran là, sur le live c'est le 14. Le 10 et le 14 ça fait quelque chose. Hein. En simple placé 10-14 en 2 sur 4 non? Ah, je sais même pas, attends, c'est quoi 14 favoris, donc il faudrait qu'on fasse 15 et 13. On ferait quoi que le 10 et le 14, ça fait 4 et 1, 5, plus 10, ça fait 15. On a 14, et on a 4 moins 1, 3, plus 10, ça fait 13. Donc 10, 14, on a 10, 14, 15. Avec 10, 14. On a déjà le calcul avec le favori, avec 10, 14. Si on prend 10, 14 pour faire les anciennes pièces de cuir. On a 13, 4 par 3. Quatre moins 1, ça fait 3, ça fait 10. On a le 13, on a le 7. 14 et 10, ça fait combien ça? 24, 4 et 2, 6, 4 moins 2. C'est compliqué. Ça fait 2. C'est 10, 14, As. Non, 10, 14, quoi? Comment on fait l'As derrière? 10, 14, 3, 10, 14, 2. Les échauffements commencent, mais gentiment. Il n'y a pas beaucoup d'activité. 10, 14, 13. 10, 14, 13. Il est quand même fini, vous l'avez vu, de guerre descendante. Il n'a pas couru depuis le 21 septembre. Alors, 4 points à 3. Alors, que faut-il faire, Audrey, avec on aurait 12, on a 12, 13, 14, 14, 13, 10. C'est bon, la dernière fois, elle n'était pas
dans des allures correctes. 14 et 13, ça fait 27. 7 et 2, 9. On aurait l'as. On aurait le 11. Elle est meilleure à gauche qu'à droite. Mais aussi, 10, 14, 13. Il m'a confié. Donc, en dessous 4, 10, 14, 13. R4, C7. On part à quelle heure? 14h50. 4 et 1, 5. 14. 3 et 1, 4. Plus 10, 14. 4 et 1, 5. Du 14, ça fait 14h50. 10, 14, 13. En 2 sur 4. On va essayer de rajouter un numéro. On fait 10, 14, 13 quoi? 10, 14, 13 As, 10, 14, 13 12, 10, 14, 13 9, 10, 14, 13 R4, C7, 10, 13, 14, 7. Après, il y a 14 partants, il faudrait qu'on récupère 14 3 fois. Déjà que 10, 14, 13, on a 14. 3 et 1, 4, on a 14 encore une fois. 10, 14, 13. Déjà, on a 2 fois, il faudrait qu'on récupère 3 fois. 10, 14, 13. Comment on fait 4 derrière? 10, 14, 13. Comment on fait 4 derrière? 4 et 1, 5. 4 moins 1, 3. Ça ferait 2. Il faudrait qu'on récupère 2 derrière. Ou alors, il faudrait qu'on récupère. Ouais, 2. Il faudrait qu'on récupère 2. Comment on peut récupérer 2? On récupère le 2 avec le 2? Inside the spoken? Le Groussard? 10, 14, 13, 2. C'est pas mal, ça me parle. Peut-être le 2 en simple placé. 10, 14, 13, 2 en 2 sur 4. Ouais, je suis fatigué, les gars. Je sais pas si ça va rentrer, je suis fatigué. Ah, en plus, il va y arriver le quintet. Ah putain, j'ai effacé, quel con. Attends, j'arrive Israël, on va faire le quintet, puis après j'arrête. On fait le quintet Israël, après j'arrête. On fait R4, C7 là. 10, 14, 13, 2. Sinon, il y a, avec 14, 10, il peut tomber le 3. Avec 13, 10, il peut tomber le 3 ou 14, 10. Avec le 13, 10, 14, 13, 10, 14, 4, 13, 10, 14, 3. 13, 10, 14, 4, 13, 10, 14, 3. Ça tombe souvent, c'est les formules qui aiment bien se plaire ensemble. Ça. Avec le 13, il tombe souvent le 6, 7, c'est pareil. 6, 7, 13, 10, c'est possible. 6, 7, 13, 10, 14, 13, 10, 3, 14, 13, 10, 4. Il y a plusieurs formules, 14, 13, 10, 2, ou 6, 7, 13, 10. Il y a plusieurs formules possibles encore. Le 9, c'est quoi le 9? Hiermont. Il a 25 euros chez moi. Sam Bourbon, le père du 9, Sam Bourbon. Ça va être chiant celui-là. Le 9, 6, 9, 6, 14, 9, 6, 10, 14, 9, 6, 13, 14, 9, 6, 10, 14, 9, 6, 3, 14, 9, 6, 10, c'est possible. C'est possible, ça peut être tordu comme ça. 14, 9, 6. Peut-être 14 gagnants, 14, 9, 6. C'est possible. Ça démarre donc pour le Tour de France des trotteurs sur les pistes en gazon. 14, 9, 6, 10. 14, 9, 6, 10. On a habilité aujourd'hui en étant déféré les 4 pieds pour la deuxième fois. Proposé actuellement à 2,90 €. Ça monte un petit peu à l'image Ivoire d'Otise. Je sais pas. 14, 9, 6, 7. 14, 9, 6, 7. Le 14 gagnant, quoi. C'est une confiance pour le 14 maintenant. Et les minutes passent, j'ai une confiance pour le 14. Mais... gagnant, mais. Bah, la formule, elle vaut rien, je sais pas. Ça va être compliqué. Alors, avoir sa place. Avoir à chasser ensuite si l'on prend un mauvais départ.
Ah, c'est quoi comme piste, ça? C'est quoi la piste depuis ce matin, là, à Auteuil? C'est quoi comme piste aussi? Pour le quintet, c'est quoi comme piste? Une piste en herbe? On aime bien faire des suites de chiffres en piste en herbe, tout ça, là. Puis à Pontchâteau, c'est quoi, là? Corde à gauche? C'est quoi? C'est de la... La CECF? Ouais, on est tombé. R3, c'est quoi? À Medan, c'était quoi, là? À Manheim, là, je sais pas quoi, là? Piste en herbe aussi. Ça va être des journées de piste en herbe. C'est peut-être des suites avec un décalage un peu plus haut qu'il y a 2-3 jours. À Lyon-d'Angers, c'était quoi comme piste? Piste en herbe aussi. Ouais, c'est un petit décalage à 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Aujourd'hui, c'est ça peut placer, quoi. Troisième, quatrième. L'autre fois, c'était 5, 4, 3, 2, As. Là, je ne sais plus quoi, là, ce que j'avais donné comme formule. On est plus sur 10, 11, 12, 13, les intéressants d'aujourd'hui. Il faut que les courses qu'il y ait 10, 11, 12, 13 partants. Hein. S'il y a que 6, 7, 8 partants, vous vous débrouillez. Après, on part à Auteuil. Après, j'arrête. Ça devrait pouvoir coller. On regarde si ça tourne bien. Regardez les bourrées, a priori ça fonctionne. On profite pour faire un réglage avec Quentin Luc pour un disque de brouillard, numéro 5. C'est bien de vous montrer aussi les journées que c'est compliqué, parce que comme ça, on voit bien que c'est pas facile. Hein. Hier, on rentrait un Super 4, je vous balance un Super 4. Après le live, je vous balance un Super 4 à 250 €. Est-ce qu'il y a, je peux pas le savoir. Moi, j'attends vraiment le dernier moment, quoi. Donc, faut être attentif, mais bon. C'est presque impossible d'être attentif tout le temps comme ça. Alors on va faire les recherches pour le quintet. Alors, en attendant, le quintet, on va pas avoir le temps de poser quelque chose. Les journées comme ça, c'est on n'a pas le temps. On est à Auteuil, à 15h15, ça part. R1C3, 15h15. Et là, il y a combien de partants là, pour le quintet là? À 18 partants, non mais... On peut rêver là. Ouais, il y a des belles côtes et tout, mais c'est introuvable ça. La cote du favori, j'ai le 13 à 6,3. On le voit. Il est devant les tribunes actuellement, il est au petit galop. On n'a rien de 6,3 contre 1. On ferait quoi? 15, 17, 14. 12, 3, 5, 1, 8, 6, 6, 4, ça c'est quoi celui-là? À 15h15 de départ, qu'est-ce qu'il vaut celui-là? 15h15 de départ, A5, ça vaut quelque chose? Avec des Carba, Sand Park. Il y a 18 partants. 5 x 4, 20. Le 13, 3 moins 1, 2. 20 moins 2, ça fait 18 partants. Déjà, on a 18 une fois. On fait 13. Qu'est-ce que je disais? 13, 5, 4. 5 x 4, 20. Le 13 favori, il faut qu'on fasse 13, 14 et 12. 5 x 4, 20, 3 moins 1, 2, 2 fois 5, 10 plus 4, 14. 5 et 4, 9 et 4, 13. Attends, merde, mon machin il se met en veille là. C'est le protocole.
à l'extérieur la favorite, le 14 Ilia du Boutier. Allez, 12, comment on fait 12 2 fois 6 La favorite est bien partie, Ilia du Boutier, puisqu'elle est déjà sur la ligne des premières. Idéal Baroc a fait un bon départ également, encore un galop pour le côté corde avec Inara du Vivier, le numéro 8. C'est terminé pour Inara du Vivier. On est parti lentement avec un 10 de Bruyère qui se retrouve à l'arrière dans le siège de Yermont, le numéro 9. On a quoi là, du steeple, 4700 mètres, 15h15 de départ. Les anciennes places du favori, c'est 2, 3, 7, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 7. Le 13, 13, 14. Espoir, espoir royal, le 14, c'est quoi ça? Du RIF, le numéro 7 qui vient très fort pour venir maintenant aux côtés du cheval de tête en troisième position hier, côté corps qui lui-même est accompagné d'Iso de Kerian, le numéro 10, on traite sur une troisième ligne avec IAR. 14 et 4, ça fait 18. Un nouveau tournant et ça va facile en tête pour Idéal Baroc, le numéro 6 qui a l'avantage devant Idole du risque. 5 et 4, 9, 13, 3 moins 1 du 13, ça fait 2, 2 fois 9, 18. 13, 5, 14, 4, 13, 5, 14, 4, non ? Ça ferait quoi celui-là ? Est en 6e position devant le numéro 3, Ibera. 13, 5, 14, 4, ça ferait quoi celui-là ? 13, 5, 14, 4, 2 ? 13, 5, 14, 13, 5, 14, 4, 2, non ? Grand ongle, le 3, il fait être chiant celui-là. On a 13-3, 14-4, alors 2 sur 4, 13-3, 14-4 pour le quintet. Il y a 4700 mètres, il faut partir à 15h15. Iso de Kerian qui va peut-être se faire couvrir par ce numéro 2 Inside de Spoken. On attend toujours avec Ilia du Boutier qui est près du groupe. 14, ça fait 5. 15h15, ça fait. Non, pour l'instant, Ibera, le numéro 3. 15h15, 14, ça fait 4-1-5. On fait quoi après derrière? On fait 13-3. 13-3 égale 10, 4-1-5. 15h15. On fait 14-13-3. On fait quoi? 14-13-3. Et comment on fait 15 derrière? Si on a 14-13-3 déjà, on fait quoi derrière? On est R1-C3, il peut tomber une cote à 13 euros. Les anciennes places, 2-3, 2-7. Avec le numéro 8 qui s'est passé 6, pardon, qui s'y présente en tête, Idéal Baroc, hein, qui semble aller encore assez facilement devant le 7 Idole du Riff. 14-13-3, 14-13-3-2. Il va être chiant à déchiffrer ce quintet. 14-13-3-2. 18-14-13-3-2. C'était quoi celui-là que j'avais là? Ah, le 14 il gagne, impeccable. Ouais, c'est... Le 6 il est pas là. C'est quoi derrière là? Quoi celui-là? Putain de merde, le 10 il est en retard aussi là. Fais chier, putain. Je suis crevé les gars. Le 10-2 est trop loin, le 2 là. Entre le 3 Ibera et le numéro 10 Iso de Cœur. Et voilà, c'est terminé sur l'hippodrome de Pontchâteau. Merci Audrey, on débrief de tout ça. Ah, peut-être le 204, on va regarder. Voilà, mais écoutez, on note. Ouais, je suis crevé, les gars, je fais de la merde quand je suis crevé. Ouais, c'est assez sport. Hein. C'est sportif, les gars. On va regarder la quatrième place de la course d'avant, R4C7. Il y a bien le 7, hein, putain, fait chier. J'aurais entre le 2 et le 7, c'est dommage.
On a 14, quoi. L'intégralité de l'actualité hippique sur notre fil Twitter. Chaque jour, vivez l'émotion des courses hippiques avec le Parisien, aujourd'hui en France. Il y avait une assurance sur le 14 quand même qui s'est démarquée. On a l'arrivée d'R4C7, c'est quoi 14-6-7, non 14-6-7-10, 14-6-7-3-10. Oui, il y avait 14 partants, 6-7-13, 3-1-4, plus 10-14, 7 x 3-21. 6 x 3,18. Ah, je sais plus ça. 7 et 3,10. Oh, je suis KO. Je suis KO, les gars. Le 10 et 2, c'est dommage, il est trop loin. Ah, bah, j'ai le 4 favori, la télé, là. Putain, faut que je recommence mes calculs. Alors, 14, 6, 7, 3, 10, il y a photo, on va attendre l'arrivée définitive. Là, on a le 4 à 6,4. On a l'heure de départ à 15h15. On a le nombre de partants, 18 à faire 3 fois. J'aimerais bien que le 10 il passe 4ème, la course d'avant, ça ferait le 2/4 quand même. Je sais plus ce que j'avais donné à la fin, 14, 6, 7, non? Je sais plus comment j'avais donné. Non. Je suis KO. On a les anciennes places du 4. As-3, As-4, les anciennes perfs, As-3, As-4. Bon, c'est les anciennes perfs du favori du 4, hein, c'est As-3, As-4, tombé, arrêté, 4, mais bon, je mets As-3, As-4. Le 4, là, on peut se le faire en 15, en 6, l'As, on peut se le faire en 12, en As, là, on peut faire en 14, en 12, ou alors, on fait As-3 qui fait 13, As-4 il fait 14. Donc on aurait le 5, on aurait le 3, on aurait le 2, on aurait le 4. Donc à 15h15, le 15 c'est quoi ce 15? On va tout détailler. Captain, non c'est Doutin le 15, hein. Oui, tu m'en parlais tout à l'heure du 15. Sinon comment on fait 15? On fait 18 moins 3, on fait quoi? 9 et 6, 15? Le 9, ange de juillet. C'est quoi? C'est des 5, 7 ans, 8 ans, 9 ans? Putain. Est-ce qu'on peut dire que l'enfer, c'est les autres avec lui? Non, pas trop, non. C'est un cheval qui a quand même expérience et tout. 6 x 3, 18. Comment on fait 6 x 3, 18? La grand ongle avec le 12, à 12 euros. Le 6, ange de juillet. La course d'avant, on a quoi? 6 et 3 encore. Et le quintet d'hier, on a quoi? Le quintet d'hier, on a quoi, les gars? On va s'appuyer sur le quintet d'hier aussi. On a 7, 10, 14, 5, 12 hier. Le 12, on peut faire en 3, en As, 14, 16, 7, 3, 5, 3, 10, 16, 5. Bon, 7, 10, 14, 5, 12.
Là, on a le favori, c'est qui, là? Le 4. Le 4 à 6,1. On part à 15h15. Le 4, un favori, donc faut qu'on fasse 14, 15 aussi et 13. Par des calculs. Ou alors pur. Le 14, le 13, on pourrait le prendre pur, mais. On fait combien 15, comment on fait? On fait 9 et 6, 15. On fait quoi? On fait. Il y a 18 partants, on fait 18 moins 3, on fait quoi? On fait 9 et 6, 15. 18 moins 3, on fait quoi? On fait. Avec le 4 en favori, on fait 4 plus 11. Le 11, comment on fait? On fait le 2, on fait 2, 13. 13, 2, ça fait 11, plus 4, ça fait 15. Le 14, comment on fait 14? On fait As 4. Le 15, c'est pareil, on peut faire As 5 sinon. 6, 9, As 5, on fait quoi? Le 14, 8, 6. On fait quoi? 14, il y a 18 partants, on fait 18 moins 4. On fait quoi sinon? On fait 6 et 8. Ouais, bah 8 et 6. Ouais. Et le 6, on fait en forme de 15, en forme de 17, plus 8. On ferait comment là? 13, le 13, comment on fait? On fait 8 et 5. On fait le 5, on se fait en 14 encore. Le 8 en 17. En 6. 6 et 6, 6, 11. 6, 11, 5, 9. On fait comment là? On fait comment? Le 9, le correspondant de 9, on peut faire un 18 euros, non? C'est chiant, hein, 18 partant, mon pote, faut t'accrocher. La course d'avant, on a 10, c'est une longue distance, ça c'est 4700 mètres, mais à 15h16 maintenant, ça part. On va pas avoir le temps de faire quelque chose. Hein. Il y a photo entre 14 et 6, la course d'avant en plus. Ça va être chiant pour faire des calculs, ça va être chiant. 15h16 à faire. La Doudin, Captain. Comment on va faire? On fait là, c'est le 5 et là, c'est le 6, 15h16? À 5-6. Bah, j'ai envie de rester dans les petits numéros, mais là, il est âgé. 5-6 sont pas mal, mais. 5 et 6, ça fait quoi? 6 et 5, 11. 6 moins 5, ça ferait quoi? Faudrait faire 17 derrière. 6 moins 5 égale 1, donc faudrait faire 17 derrière. 6, 5 à 7, 6, 5, 7. Avec le 13, 6, 5, 13, non? Si on prend 6, 5, 13, la cour, le 4 d'hier, on a de 5. 14. C'est chiant, hein? 6 fois 3, 18, 6, 5, 3. Grand-ongle, il est marrant, grand-ongle, hein, quand même, le 3. Ange de juillet, Avel de Kerba. Un joueur marque. Fury d'aîné, Gaul, Espoir Royal. Doudin, Captain Spican, Galet des Fossés, Blackbois. Les anciennes places du 2 maintenant, c'est le favori, c'est le 2 maintenant. Ça change les calculs, les gars. Oh, je recommence pas à vous remettre les trucs avec le 2. Hein. Ah, il y a le 2 et le 4 en favori. Bon, c'est chiant. Voilà comment je fais mes calculs. 2 fois 4, 8, faudra retrouver l'as derrière. À 18 partant. Ou alors 4 et 2, 6, 6 fois 3, 18. On fait 4, 2, 4, 2, 14, 4, 2, 14, 3, 4, 2, 14, 13, 4, 2, 14, 3, 13. 4, 2, 14, 3, 13, c'est marrant ça. Il y a grand ongle, King Elvis. Darling Desbordes, c'est quelque chose, hein, Darling Desbordes, grand ongle, King Elvis.
Mais ils sont âgés, ces cons-là, ils sont âgés. Il y a 18 partants, 9 fois 2, 18, mais le 9 est cher. Il y a trop de chevaux à regarder là, c'est chiant. On va prendre le 6. Pour faire 15h16. Qui a gagné un premier quintet, le Clément de Valladel, sur les gros obstacles, qui derrière a confirmé ce classement 3e du prix Cacao, qui était remporté par la ligne des bords. La cote du favori à 6,2. On va prendre 6,2 ou 6,4. 6,4, 6 x 4, 24. Moins 6. Comment on fait 6 derrière? 18, 8 et 1, 9. 8 moins 1, 7. C'est surtout son comportement qui va être important. C'est un cheval qui est parfois un petit peu peut-être distrait, je dirais, même si l'autre jour il a été sérieux. 6-4 ou 6-2, 6-4 ou 6-2. 6-2-4. Il y a plein de François Nicolas, par rapport à François Nicolas. Il a déjà été président François Nicolas. 6-2-4, ça ferait quoi à 15h15? Il tente l'aventure avec Paul Sud. Il a eu des combats un peu difficiles. 6-2-4-3, 6-2-4-3. Avec beaucoup de métiers sur le site de l'Ottawa. C'est un outsider qui peut intéresser plus d'un 6-2-4-3. 3 fois 5, 15. Un autre outsider, maintenant, Charlie, un cheval qui est encore plus abandonné, hein, qui est à peu de prendre conscience, c'est le numéro 7, Hasard de Brion. 6-2-8 et 4-12, 2 et 1-3. 6-4-10 et 3-15. 3 et 2, 5, 6 et 4, 10, ça fait 15h. 15h15. 6, 2, 4, 3. 6, 2, 4, 3, 1, 2 sur 4. 6, 2, 4, 3, 1, 2 sur 4. Il est compliqué celle-là, les gars. Donc, à voir s'il est capable à ce niveau-là de faire la même chose. Moi, je vais vous titiller parce que le robinet de tiède, ça ne va pas. À 5,8, il passe le favori, là. Il faut pour attendre les 5. T'es quoi, celui-là, là ? Je suis chaud aussi pour attendre les 5. Mais je préfère être toujours un petit peu froid. C'est 8, 3, 5 ou à 7, 4? On a peut-être le 7. Hein. R1, C3. On prend l'As 3, on fait quoi? Les quintés, c'est quoi d'origine? Hier, on a quoi de quintés là? Ah, je suis perdu, les gars, je suis perdu. Jusqu'au bout, je pense également à la Seniora, à Palix de Cric, qui sont des 5 ans au palmarès de ce président de la République, donc c'est faisable de remporter cette grande épreuve à la Seniora. Le trophée qui récompensera l'entourage du vainqueur à l'allocation magnifique, hein, c'est ce qu'on rappelait en début d'antenne, 225 000 euros d'allocation totale, 200 000 euros pour l'entourage du cheval vainqueur. As-7-4 en 2 sur 4, As-7-4, As-7-4. As-7-4, après c'est ouvert. As-7-4 en 2 sur 4. On a une cote 5,8, 5,7 du favori. As-7-4. Ah, je sais pas, As-7-4 quoi. As-7-4 quoi en 2 sur 4. As-7-4 quoi. Faut qu'on égale 18 partants 3 fois. 7-8, As-7-4-3. 7-4 quoi. As-7-4-3. 7-4-13. As-7-4-13. 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 As-7-4-3. 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 As-7-4-3-6. As-7-4-3-6. Peut-être un trio, je sais pas, 2 sur 4. As-7-4-3-6. J'ai que ça, les gars. Merde, attends. Trio, je sais pas. Ouais, je suis vraiment à la dernière minute, mais c'est indéchiffrable ce matin. Là. C'est le début du mois, les gars. Les vidéos, ils sont plus fluides à la fin du mois. C'est compliqué au début du mois, je vous le dis depuis hier, les gars. Faut suivre, faut écouter les vidéos, les gars. Faut pas me demander des questions.
Quand je vous dis 50 fois que c'est compliqué ces jours-là. Faut pas me demander des pronos quand je te dis que c'est compliqué ces jours-là. Tu vois le bordel que c'est pour trouver un prono? Puis il faut savoir si t'as de quoi miser. Je t'en donne plusieurs. Si t'as de quoi miser, je t'en donne plusieurs. Si t'as qu'une pièce, ça va être cheap, ça va être plus chiant. Si t'es accro, tu te démerdes. C'est pas mon problème. Parce que ça, tu peux devenir accro. Hein. Si t'as de quoi miser, tu vas gagner 100 balles, 200 balles. Tu vas mettre, après tu vas dire, ah c'est facile. Ah, mais tu vois, ça joue un peu aussi. Il faut bien formuler ton ticket parce que ça joue vraiment au millimètre. Hein. T'inquiète pas, PMU, ils sont dans les détails. Hein. Ils ont les détails, il y a les poubelles, tu mets dedans. Bon bref, allez hop, on va suivre ça. C'est l'emmerdant le 18, le 14, 13. Sinon, As 7, 4, 3, 6. As 7, 4, 3, 6, 18. As 7, 4, 3, 6, 13. As 7, 4, 3, 6, 13, 14. As 7, 4, 3, 6, 18. On va regarder. Ah, je suis KO, je suis KO. Merci les amis, vous likez sur les groupes et tout, merci à vous les amis. Oui, je vous mets des combinaisons de sécurité quand même en haut des pages les gars. Ça marche pas pour 18 partants ou 22 partants, mais ça marche pour des courses un peu moins, ça marche bien. Les courses de sécurité, les gars. Pas forcément préféré, mais attention aux petits pois et gros cotes, parce que tous les ans, il y en a un ou presque qui passe. Et là, il y en a un, il y a Galé des Fosses. Oui. Je rappelle que Django, il y a 2 ans, l'avait remporté avec 62 kilos, c'est le prix du plus joli. Pas une du dépôt, également, l'a remporté avec 62 kilos. Ah, le 7, il m'intéresse, c'est marrant. J'ai envie d'un 2 sur 4 à 7 4. La course est compliquée, pourquoi pas. On a un part à 15h16. On part un peu plus tard, 15h19. Charlie, on vous retrouve pour le président 2022. Après, j'arrête. Non, le 13, il passe pas de la course d'avant. Ah si, la course d'avant, ça a changé, là. 7, 3, 10, 2, là. Je sais plus ce que j'avais donné, non. Je sais plus ce que j'avais donné. J'avais donné... Non, ça marche pas. Hein. Il y a 10-2 en 2 sur 4 la course d'avant ou pas? Dans ce que j'avais proposé, non. Je sais plus. Non. Attends, je sais pas. Si, je crois. Hein, 2 sur 4, 10-2 la course d'avant, non. Et là, combien? Ils ont enlevé le premier et le deuxième, ou je sais plus combien. Là. Putain, elle est pas chère. Hein. Putain. Casse le cul pour rien là. C'est le début du mois les gars. Faut jouer à la fin du mois. À la fin du mois on n'a pas d'argent. En début du mois faut jouer les simples placés. Moi je suis habitué à donner des combinaisons mais faut donner les simples placés les gars. Faut prendre les simples placés. Tu dois obtenir des résultats, mais tu vois, tu n'as même pas le temps de tout faire. Tu as peu de temps avant le départ, hein, entre deux courses. Hein. Moi, je préfère ça, faire mes recherches à chaud. La course, c'est de la discipline compliquée, ça. Hein. Les obstacles, les longues distances, obstacles, double barrière, oh là là. Sam Park,
patiente à l'arrière, comme Paul, comme également le numéro 15, Doudin, qui est en TP 8e quasiment, et puis en dernière position, toujours le 17, Gary Dépos. Il y a Pierre Avir, le favori, ce président de la République, qui est aux commandes depuis un peu moins d'un kilomètre désormais, c'est King Elvis. Pour retrouver en deuxième position, Abel de Kervar, le numéro 5, à la corde, Furidé, le 12. Black Boa, qui a fait quelques petits côtés, maintenant passé 4e, avec à sa hauteur, Philippe, Rodrigue, Sétabel, 4e, Sticking, Police, suite en 7 heures. En dehors, le numéro 7, Hazard de Brigand, le 3, Grand Oncle, Ange de Julien, après sa faute, le numéro 6, qui chemine à l'intérieur, devant, le 14, Espoir Royal, plus loin, il y a Omnioma, Darim Desbordes, Sam Park, qui perd quasiment toute chance, hein, parce qu'il recule, Sam Park, c'est compliqué, Gaulle, Galé des Fosses, Doudingue, quasiment à la même hauteur pour se diriger par le franchissement de la rivière des tribunes. Oh, il y en a que deux qui sont tombés. Le 11 et le 18. Ah, puis ils courent dans l'autre sens. J'espère qu'ils sont pas mal. T'as le terrain piste en herbe. Ah, il y en a un qui abandonne derrière. Ben, ça va, ils sont debout. Auteuil, les gars, Auteuil. Quinté. 12-4-5 pour l'instant, 12-4-5. Quatre fois 5, 20, ça faisait 18. Non, ça m'attendait que le 12, il fasse quelque chose quand même. Le 12, il va faire quelque chose. Le 4, il peine. Oh, il y en a encore des chutes. Il y a encore des chutes. Ah, ils vont finir en charpie. Il y a un cheval qui court avec eux là, il y a pas de jockey dessus, j'espère qu'il va pas gêner les autres. Et à chaque fois ces chevaux là ils arrivent premiers, les chevaux qui courent tout seuls sans jockey, ils suivent les autres, ils arrivent premiers en tête. Ils sont vraiment, les chevaux ils sont vraiment dressés pour regarde, j'espère qu'il va pas gêner les autres par contre. Ah, c'est la course compliquée ça. Ah, qu'est-ce qu'il il va courir ou pas? Non. Oh putain, il saute là et tout, il y a pas de jockey dessus, c'est marrant. Il suit comme s'il y avait le jockey. Les jockeys sont tellement légers que le cheval, il suit quand même. Est-ce qu'il va sauter ou pas, non? Ah, il suit, hein. Il doit suivre le jockey qui doit monter dessus. Normalement, il est sur l'autre cheval. Le cheval, ça lui peut pas, en fait. Ah, c'est marrant. Bon, il n'y a pas, on a rien, hein, c'est compliqué. À 18 partants, une épreuve compliquée. Il n'y a pas de 2 sur 4, il n'y a rien. Je ne sais même pas qui est-ce qui est le 9, ouais. Bon, j'ai rien. €38 le 9. 12-16, putain, 12-16-8-2, 9-12-16-8-2, bah, sans moi. Bah, j'ai rien du tout, mon ami. Ah, ça, c'est un tableau qui appartient pas à cette course. Hein. Non, je déconne, mais j'ai rien, là. Il y a 2-4 qui sont trop loin. Bon, c'est toujours provisoire, mais bon. Putain, ce truc. Bon, c'est le début du mois, hein. PMU, ils s'en foutent. Hein. Ils mettent n'importe quoi. Le 4 était favori, fallait qu'on fasse 14, fallait qu'on fasse 15, fallait qu'on fasse 13. 2 et 1, 3 du 12, moins 16, ça fait
13. De l'équipe Salmon Mêlée, et puis l'élevage et la casaque de Jean-Luc Pignet. 2 x 8, 16. Des rapports incroyables pour ceux qui ont touché. Ouais, bah ouais. Personne n'a touché, mon ami. Ça va être incroyable, avec des grosses surprises à l'arrivée. On revient un instant sur ton château tout à l'heure. Vous savez qu'il y avait une enquête, Vincent vous l'a dit. Il y a eu un changement d'arrivée, 2 disqualifications. Donc on va tout de suite regarder le résultat en image. Moi j'ai rien du tout. Regardez, hein. Ça se passait dans la 7ème course et ont été disqualifiés après enquête. Et eh bien, le numéro 14, Ilia Duboutier, qui avait remporté la victoire. Et le numéro 6, par des calculs, je retenais 9-6, 9-8, As-4, 18-3, 4-11-2, 13, As-5, 15-8, 17-8. Il y a 11-6, As-5-9, le 6. Mais je faisais pas confiance du tout. T'as vu les codes qu'ils avaient et tout. Et c'est une épreuve compliquée, c'est le début du mois, c'est comme ça. Il ne faut pas jouer ces quintés-là, les gars. Ceux qui posent des billets sur des quintés comme ça, les gars, vous êtes à la masse, les gars. Même pour les connaisseurs, ceux qui connaissent très bien, ils font pas des quintés comme ça. Qu'est-ce qu'on avait hier comme arrivée ? Hier, on avait quoi comme arrivée au Quintet ? On avait le 12 hier au Quintet ? On avait le 12, on avait 7, 10, 14, 5, 12 hier. Le 5, on se vient en 16, il y avait 12, 16. Merde. J'ai vu ce roulé-boulé là. Bon, c'est un peu chiant, hein. Ces courses, c'est aujourd'hui. Ah, puis je suis KO, ça serait mieux à la fin de journée, mais je suis KO là. On y va, on aura quasiment tous les concurrents. On va commencer avec Epico Blue, hein, qui est un cheval dur à cuire. Ah là, il y a des courses à 18 partants, ou alors il y a 9 partants, 8 partants. Des débuts de mois en plus, c'est compliqué, les gars. Bon, on fait tout à l'heure un 2 sur 4, on n'est pas payé, 4 c'est 7. On est un petit peu remboursé, mais on n'a pas de gain. Il y avait 11, 12, 13 que je proposais R1C2, mais je suis parti sur autre chose. J'ai fait un point au final sur autre chose. Un 2 sur 4, ça faisait combien à 33 euros, ouais, fois 3, ouais. Il y avait quoi sinon que j'ai fait quoi sinon? R4C6. Je proposais A-suite, un départ avec A-suite à 18 partants. 12 A-suite, mais j'ai fini à donner autre chose. Ça fait 2-3 courses que je commence bien, puis je donne autre chose. Je fais de la merde. Là, je rentre à couper placé, R1-C1. Non, ouais. Attentif aujourd'hui à 12, 10, 11, 12, 13 en simple placé, voire fin de journée peut-être en 2 sur 4, 10, 11, 12, 13 en couplé placé. Peut-être en fin de journée, faut être attentif à ces numéros-là aujourd'hui, 10, 11, 12, 13. Mais faut vraiment bien trancher. Hein. Tu tranches peut-être avec l'heure, tu tranches avec la cotation du plus faible. Tu tranches avec ça pour jouer 10, 11, 12, 13 aujourd'hui. Soit avec l'heure ou soit avec la cotation du plus faible du favori là. 3,2, tu vois, tu fais le 12 à 2 et 1, 3, ou le 13, 3 moins 1, 2. Ou alors tu fais 10, 11, 12, 13, tu vois, tu fais 10, 11, ça fait 2, 21, 2 et 1, 3, tu vois. En 2 et 1, 3 du 21 ou alors du 12. Et voilà, tu fais. Tu prends favori peut-être aussi à 3 euros, peut-être intéressant aujourd'hui, les favoris. Bon, pour le Quintet, c'est autre chose. Hein. C'est pour les courses de la journée. Demain, ça sera autre chose. Demain, ça sera autre chose, mais aujourd'hui, attention, 10, 11, 12, 13. Essaye d'égaler la cote du favori. Ouais, du favori, de l'outsider, là, je sais pas comment il l'appelle. La plus petite cote, quoi. Essaye d'égaler la plus petite cote.
essaye de jouer 10, 11, 12, 13 en simple placé aujourd'hui. Ou alors le favori en gagnant. Peut-être tu peux peut-être multiplier par ton par 3 ton favori aujourd'hui. Sur cette course, hein, sur cette course. Pour un moitié de toi. Vous avez le sentiment que c'est vraiment un match potentiellement entre ces deux favoris, entre Epito Blue et Fossoyeur. Ce sont des bons favoris pour vous. Oui, en tête, hein, je pense qu'ils sont bons. Tu vois, ma troisième série de survie, ça faisait le 2 sur 4. Hein. Troisième série de survie sur mes, en haut de mes pages. Sinon, tu as mes formules de survie, c'est en haut des pages. Pour les 2 sur 4 coupés passés, c'est en haut de mes pages. Hein. Mes pages Facebook. Là. Allez, bisous les équipes. Bisous les pages, bisous les groupes. Bonne journée. J'arrête, je suis KO. On verra peut-être demain, je sais pas. Demain ou mardi, je sais pas. On va recevoir la paye. Il faudra que j'aille faire les courses et tout. On verra plus tard. Et bisous l'équipe, merci à vous. Merci, merci. On va mettre celui-là, tiens. Oh putain, les yeux là-dedans. Les yeux de Merlan Onfray. Allez, bisous l'équipe. Merde.